Si j'ai fait ce déplacement-là, c'est parce que je considère cette émission comme étant The Émission. Tu te retrouves avec des budgets entre 60 et 150 millions, quoi. La moitié, c'est le marketing. Il me dit, écoute, ton truc, il est incroyable. Et je vais investir. Solana ou Bitcoin On a levé 12 millions en moins de 5 semaines. L'attention égale l'importance. Nous, on est en mode Mika 2, eux, ouais. ils sont en mode Mika 2. Combien ça coûte de développer un jeu vidéo On s'est dit qu'on allait créer non pas un jeu, mais une nouvelle propriété intellectuelle. Ah, là, là ça, 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 ça demande être... le leak. Hein, ah, peut... les leaks, les leaks. Donc, on y va, c'est parti. On est avec deux invités d'exception ce soir, comme tous les soirs. Samy, tu vas bien euh, Très bien, très très bien, merci. Samy euh, Gabin. Bah écoute, ça va aussi. Tu merci, vas bien Merci pour l'invite, c'est cool. Bon, je pense qu'on va passer une bonne soirée. Vous avez compris le thème, je, je les ai teasés un petit peu, je leur ai dit ce soir, ça va être gaming. Gaming appliqué au Web3 ou Web3 appliqué au gaming, il euh, y aura évidemment des questions sur ça. Bon, on va commencer euh, par vous présenter, euh, Samy, euh, rapidement. Que fais-tu euh, Qui es-tu Moi, je m'appelle Samy. Je suis le, le CEO et cofondateur de The Cross the Ages. Euh, on a commencé en fin 2020 et euh, on s'est dit qu'on allait créer non pas un jeu, mais une nouvelle propriété intellectuelle. Le nouveau, en fait, Game of Thrones, un mix entre de la science-fiction et de la fantasy. Tout l'intérêt pour nous, c'était de réussir à embarquer un maximum de monde avec euh, différentes narratives, donc euh, commencer par un roman, qui est devenu aujourd'hui physique, et continuer comme ça avec euh, des films d'animation, du merchandising, différentes expériences de jeu. Et créer en fait euh, une expérience transmédia. Voilà ce que je fais et voilà qui je suis. Cross the ages et Gavin. pas trop d'ambition en soi. Non, <laughs> non, non. Je me fais un malin plaisir à chaque fois, que je passe à la FNAC, dis, Ah, y a le bouquin de Sam. <laughs> <C 'est toujours rire> je le vois allez, toujours en physique. Hein. Allez acheter le bouquin ouais. à la FNAC. Ouais, acheter le bouquin, il est bien. <laughs> il coûte combien le bouquin 25 euros. Et le tome 2 sort le 28 octobre et le tome 3 sort le 20 décembre euh, 2025. Tu touches combien toi sur les 25 euros <laughs> Que dalle. Hein, que je vous le dis, je touche un peu moins de, je touche à peu près 2,20, euros, truc comme ça. Okay. Ah ouais. C'est la Fnac qui prend tout. Euh. Euh, ouais, c'est pas faux. Non, en fait, bah, c'est le monde de l'édition. Hein. Tu gagnes, ah ouais. tu gagnes rien sur les. Il y, livre. y a pas mal d'auteurs. Hein. Ouais, mais, mais 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 ils prennent pas, ils prennent que dalle aussi. Hein. Enfin, ouais. le, le, la réalité, c'est que tous les écrivains dans le monde de, de l'écriture. Tu, tu touches 10 allez, tu vas toucher 12 13 quand t'es vraiment à un certain niveau mais quand tu commences aux alentours de 7 8, on okay. sait pas euh, okay. C'est pas très rentable. La disponibilité d'édition après la météo oh, on a mon, le c'est bien, c'est une voilà. info <laughs> sympa à savoir. T'es es content de savoir que ça existe. Il bon, y a pas écrit oxy origine. Si, il Ouais, aussi... c'est écrit en tout petit ici mais ouais, Dare to play. Dare to donc play. Euh... Donc moi, c'est Gabin, je, je suis une pièce rapportée, on va dire, puisque il y co-CEO de, de OxyOrigin depuis euh, trois mois, je crois. Donc c'est un projet qui existe depuis un peu plus de deux ans. Quand et a propulsé euh, CEO direct, là. Coste... Ouais, je, je, au bout de deux jours à peu près. Euh... <laughs> non, mais après, je connaissais le projet. Il, il a des skills, hein. Ouais, je, je connaissais un peu le projet, je l'ai suivi de près de, depuis un bon moment. Euh, je me suis bien intéressé à ce projet-là, notamment parce que bah, j'ai... Voir que les, les fondateurs avaient une réelle intention de faire quelque chose de concret, euh, de ne pas tomber dans les pièges classiques du Web3, aller, euh, aller mettre des mécanismes pas très, euh, pas très sustainable derrière. Donc, euh, bon, quand j'ai reconnu qu'ils avaient une réelle volonté de faire le jeu, j'ai quand même. Bah, j'ai fait OK, on va, on, on va discuter avec eux. Je les ai suivis pendant plusieurs mois et puis après, bah. Euh, L'évolution professionnelle a fait que euh, voilà, j'ai pris l'opportunité, c'est un super projet, je suis super content d'être là, la dynamique elle est ouf, euh, surtout depuis quelques mois, euh, notamment avec la team dev qui est exceptionnelle à, à Bordeaux et, et qui fait un travail de fou. D'ailleurs il y a bientôt la, la pré-alpha, donc une nouvelle euh, vertical slicing, donc en gros une petite démo euh, du jeu, une partie du jeu qui, qui, qui est montrée au public euh, et qui, voilà, qui entre autres nous permet de lancer quelques petits concours, quelques petits leaderboards, des choses comme ça qui sont chères en Web3 mais... Euh, Ouais. L'idée c'est de, de commencer à montrer le jeu euh, euh, un peu plus dans ce qui risque, dans, dans ce qui va ressembler on va dire, dans les, dans les mois qui viennent. Alors moi j'y ai déjà joué plusieurs fois. À NFT Biarritz, j'y ai joué, à, à une soirée que vous aviez fait pendant NFT Paris aussi, j'y ai joué. Euh, comment tu expliques le jeu à quelqu'un qui connaît rien C'est quoi, ça ressemble à quoi C'est Alors... quoi le but c'est euh, un petit peu plus qu'un jeu. Forcément, il faut commencer bah, un peu comme, comme Samy avait commencé avec le, le, le jeu de cartes, mais finalement, c'est un écosystème, c'est un univers concret. Euh, L'idée, effectivement, si tu vas avoir euh, du Web3, tu ne peux pas t'arrêter à un jeu. Les jeux ont quand même des, voilà, des durées de vie qui ne vont pas forcément être euh, euh, tout le temps très longs. Surtout que nous, un, le premier jeu, c'est un TPS donc, c'est un third-person shooter c'est un extraction looter, en fait. Et du coup, voilà. L'idée, c'est quand même de créer un écosystème. C'est ça qui réellement, concrètement, euh, permet de créer une IP, permet, permet de, de déborder autour euh, plusieurs jeux, euh, des bouquins, des films, euh, des séries. C'est ça qui est, qui est vraiment intéressant avec la l'ownership finalement, parce que l'ownership dans un seul jeu, c'est assez limité. Donc, il faut créer quelque chose d'assez conséquent. Donc, finalement, voilà, il y a un écosystème. L'écosystème, donc, il est lié par un lore euh, commun et qui est, qui est en train d'être euh, euh, travaillé. Euh, on va dire, bien en profondeur. Euh, c'est on, on sait quelque chose de ce que c'est que de travailler un lore <laughs> correctement, c'est beaucoup de boulot. Et, euh, et du coup, voilà, le premier jeu qui se branche sur cet écosystème-là, c'est donc un extraction looter, euh, vu à la troisième personne, euh, un peu à la Helldivers 2, euh, qui est sorti donc, euh, récemment et qui a, qui a super bien marché. Il y a beaucoup de mécaniques qui qui vont rappeler un peu Hells Divers 2. Après, on, on en rajoute des qui débordent forcément du, du côté un peu plus Web 3 qui va venir s'immiscer euh, même dans ce dans ce jeu-là qui pour le coup s'adresse plutôt à des joueurs euh, plus classiques. C'est un vrai jeu, c'est du Unreal euh, 5, donc c'est pas oui. c'est pas un pixel art, c'est pas un Axie euh, Infinity-like, c'est c'est vraiment un jeu concrètement, un enfin, concret qui qui a pour vocation de plaire même à un gamer classique. Alors forcément, c'est le genre de jeu qui prend des années euh, à faire. Elden euh, divers 2, je ne sais pas combien de temps ils ont passé dessus, mais je crois 6 euh, ans. Enfin, c'est enfin, des délais et des montants assez, euh, assez conséquents pour créer ce genre de jeu. Mais voilà, si, si on n'a pas d'ambition et si on ne crée pas euh, euh, quelque chose qui, euh, qui fait sens justement de, de, de se brancher sur un écosystème important avec une tokenomics euh, au milieu de tout ça, bon, bah, ça ne sert à rien, rien d'essayer. De Donc autant avoir de l'ambition, faire quelque chose de. De gros. On reviendra sur ça après, sur les, les délais, les montants, euh, création de jeux vidéo. Et toi, Samy, comment tu, tu, tu définirais ton jeu Ça se rapproche de, de quoi De Hearthstone ou Magic Alors, ou... Moi, je suis un fan. Je suis un geek, les gars, vous imaginez même pas. J'ai cartes... 39 <laughs> ans. J'ai commencé les cartes à collectionner à l'âge de 9 ans et j'ai jamais arrêté. Tout ce qui se fait dans la carte, même l'odeur des cartes, je la connais par cœur. Ah, j'ai à commencé... ta, ta plus grosse collection bah, En fait, dans Magic, j'ai tout. Genre tout ce qui existe. J'ai commencé en fait, euh, je me suis fait connaître comme ça en fait à, à l'âge de 16 ans, donc en, en 99, j'ai commencé à acheter des boîtes scellées euh, de Pokémon et j'ai gardé ces boîtes euh, très longtemps, trop longtemps, jusqu'en 2020. Et c'est grâce à ces boîtes en fait que j'ai vendu, que j'ai lancé Cross the Edges. Ces boîtes qui valaient que dalle ont coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à partir de, 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 de 2020 c'était le, le moment le, le moment parfait je suis euh, grand collectionneur de Magic un petit peu un peu Pokémon mais vraiment que du scellé. Et, euh, et en fait, à l'âge de, de, de 16 ans, j'ai commencé à faire des tournois, des Grands Prix. Et tous les mois, tous les mois, j'ai rencontré des gens. J'allais vendre au début des cartes à la sauvette jusqu'à ce que je monte sur l'entreprise à, à l'âge de 22 ans. C'est rigolo parce que j'ai rencontré comme ça Cyrus de, de Swissborg dans les tournois. J'ai rencontré Alexander Léonard, le fondateur de Axie Infinity qui faisait aussi les tournois. Et Vous imaginez même pas le nombre de fondateurs dans le Web3 qui viennent du monde de Magic. C'est un monde de fou. Donc, euh, je me suis dit euh, comment faire pour pouvoir... Euh, avec cette passion, l'intégrer dans, dans, dans quelque chose que j'aimerais faire. Lorsque j'ai découvert le, le Web3 en, en, en 2020, je me suis rendu compte de l'opportunité incroyable qu'offrait la blockchain et que peut-être que du jour au lendemain, on pourrait donc avoir des cartes sous un différent format. On s'est dit qu'imaginer un jeu avec un nouveau format, donc qui ne serait pas une copie de qui ne serait pas une copie de Magic, qui aurait en fait sa, sa propre règle, qui serait donc un demi échiquier 4 4x4, avec... Euh, un temps de jeu maximum de 10 minutes où on pourrait monter une stratégie qui ressemblerait à un mix d'échecs de go de jeux de stratégie mais avec une partie très entraînante et une partie très challengeante où tu euh, permettrais en fait au joueur de découvrir le jeu. On a réussi à avoir une communauté très forte dès le début euh, parce que en fait les gens collectionnaient des cartes par rapport à l'univers Imagine un, un, un Game of Thrones avant le show où on te parle de personnages là tu les vois en fait se matérialiser devant toi et en fait avec une déclinaison euh, en euh, Web 1, Web 2 Web 3. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les cartes en fait tu les as en digital, un free to play, un jeu complètement Web 2 où tu pourrais avoir l'ownership, tu pourrais en fait transformer tes cartes en NFT et les revendre sur la place de marché et si tu y arrives, compléter ta collection, faire le choix de brûler toute ta collection et récupérer des cartes physiques. Et là, c'est la même société qui fait les cartes Magic et Pokémon qui, euh, qui fait ça avec un système de QR code. Donc les cartes là, elles, sont, elles vont être livrées dans la, la semaine à venir. Et les gens vont pouvoir en fait brûler leurs assets. Je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on fait ça et récupérer donc, des collections de cartes physiques qui sont toutes numérotées, uniques et limitées. Donc ça, c'est la première expérience de jeu euh, du, du jeu de cartes. Pourquoi commencer avec un jeu de niche Pourquoi commencer avec un jeu qui touche que 3% des gens Putain mais mec, tu peux pas faire un autre jeu. Ben, en fait, parce que c'est le meilleur moyen. De garder les gens. Les gens qui jouent à des jeux de cartes sont des gens extrêmement fidèles et ils restent en fait sur les expériences de jeu. Je viens du monde du jeu vidéo. Euh, J'ai commencé en 2010. Je suis propriétaire de, de six studios de jeux vidéo. On a lancé 57 jeux vidéo sur la Switch, la PlayStation, Xbox, Steam, Android. On a des studios, donc on en a un au Japon. Un en Angleterre, euh, deux en France, en Hongrie, au Brésil. On a sorti beaucoup de jeux qui ont fait énormément de téléchargements. Et en fait, on est, on est, on est doué sur euh, différents euh, types de jeux. Un jeu de cartes, c'est, je crois, le plus complexe. Tu ne peux pas faire plus dur qu'un jeu de cartes, parce que c'est des maths et c'est de la balance. Mmh. Et encore plus quand tu rajoutes donc, la partie blockchain. Premier jeu, donc euh, TCG Cross the Edges, 23 semaines premier de, de, de l'App Store, euh, avec une bonne communauté. Deuxième jeu rise il va être showcase et présenté pour la première fois à Tokyo, pour Tokyo Game Show, donc euh, fin du mois de septembre. Il sera disponible pour tout le monde euh, fin de cette année. Free oh. ou Free les gars, free, 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 interopérable avec tous les assets. Tous les assets vont être bridgés d'un jeu à un autre. Et ce qui est génial, ce qui est génial dans, 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 dans cette petite histoire, c'est que l'année dernière, donc, le 7 et 8 décembre, on a organisé notre premier événement. Un événement à Marseille, Marseille les gars, un événement. C'est pas un, un événement Web3, c'est pas un événement e-sport, c'est un événement communautaire où bien sûr il y a de la compétition, il y avait donc 100 000 dollars à gagner. Il y a eu 2000 personnes qui sont venues, 30 bien. nationalités. Donc ça c'était la première saison, deuxième saison, c'est 30 novembre et 1er décembre et là on compte le double de personnes qui vont venir, qui vont se déplacer pour ça. Et on se dit que ben, c'est réel, quoi. les gens ils sont là, ils jouent, ils prennent du plaisir, ils s'éclatent, t'as plein d'étrangers tu passes en fait du pseudo sur euh, Telegram, euh, Discord à je te vois en vrai qui tu es. Voilà un peu qui on est et ce qu'on fait. Bon, ben bah on ira alors. Ah, et je vous invite. Hein. sur Marseille encore Je vous invite. Ah, toujours, toujours. Avec, hein. toujours, plaisir, avec toujours, toujours sur Marseille. Je vous invite et je vous paye même le déplacement. Allez, on vient. C'est bien là, plus d'excuses. Voilà, hein. Tous les gens ah. qui regardent, Allez, Samy, vous, vous bon, payent hein. le déplacement. <laughs> ah, non, arrête, 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 arrête. <laughs> <laughs> J'ai une petite question du coup, pour Samy, parce qu'en en fait, le, le côté TCG, ouais. moi je me suis toujours dit en vrai, bah à l'époque, parce que c'était quand même bien sûr. un petit moment, tu vois. La, la tech, elle n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui, et elle est clairement pas au niveau qu'elle sera dans deux ans. Voilà. Et dans l'idée, je me suis dit, le, le, le TCG, c'est un peu la, la base, si tu veux, c'est le truc. On se dit, la première utilité de la blockchain. C'est le meilleur le champ d'application. Parce je, je, que vraiment, je change pas les codes. Non. Ouais. Parce que en, en, en fait, quand les gens me demandent, ils me disent pourquoi un TCG Je dis, en fait, tu peux pas faire mieux qu'un TCG. C'est quoi TCG ah, Pardon, excusez -moi. Trading card game. Ouais, Pour ceux qui connaissent ouais, pas, alors, Trading card game. Et en fait, un jeu de cartes à collectionner. Euh, quand tu regardes le Web3 et que tu regardes la blockchain, tu ne peux pas faire mieux. Ouais. Euh, quand tu regardes un jeu vidéo classique, combien tu vas avoir d'assets Combien tu vas en avoir 50, 100 ouais. Et, et aujourd'hui, nous, les, en moyenne, hein, les gens, ils doivent avoir 3, 4, 5 000 assets. Parce ouais, qu'il y a tout un système, je vous expliquerai comment, pourquoi ils en ont autant, de les cartes à collectionner. Mais c'est trop bien Parce que ouais. du coup, tu as tes cartes, tu peux les revendre sur la place de marché, tu peux les fusionner entre elles, tu peux les faire évoluer, tu peux les crafter. Il y a tout un, 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 un mécanisme autour qui incite les gens déjà à les garder et surtout à en avoir beaucoup. Ok. Ouais, puis tu n'as pas vraiment à changer les codes du genre. Non. Et du coup, tu pars déjà avec une base où le joueur, il comprend ce qu'il fait. Tu n'as pas votre besoin option. de tout lui réexpliquer. Exact. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est pour ça qu'il y a quand même un paquet de jeux de cartes à collectionner dans, dans, dans le Web 3. Tu en as beaucoup. Mais genre, mais vraiment beaucoup. Et tu vois, Golden Chain était dedans, euh, Sky Weaver, euh, tu as, 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 as Parallel. Vraiment, tu as une liste où tu dis il euh, n'y hey, a pas tous ces gens-là qui jouent au jeu de cartes à collectionner. On se parle de normalement 3% de la population. Mais si les gens vont cette partie-là, c'est parce que il y a un réel intérêt mmh. de commencer par ça. On peut mettre Sora rare dans le paquet. Sora rare est dedans hein. Ce rare est complètement, dedans. Ah, ce rare est est complètement dedans. Ça a été la première vraie percée de jeu Web3 et c'était encore une fois bah, en même temps, c'est pas compliqué collectionner, collection carte ouais. à collectionner, c'est la... c'est le baba, les gens ils comprennent. Voilà, c'est pas bah, ta 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 Splinterland, t'as as Aperion, tu as ouais, Ethergame. As un paquet. Hein. Ouais, as, mais... Comet Comet mais la, liste, est... la liste, elle est impressionnante. Merci les gars qui Merci mettent pour des le sub. des sebs. Qui sert? K.O.G. On va Merci. faire un truc sympa là pour que les gens mettent des subs. Je vais faire un truc pas mal, tu vois. Ah, ah, il, il va, va nous faire une Samy. On, on va voir ce que ça donne. Ah hier, Tous ceux qui ont fait un ah, sub, les bon gars, je, je vous garantis, on va vous mettre bien aujourd'hui. Vous avez intérêt à envoyer les subs. <laughs> Et au plus vous mettez, au plus la récompense sera grande. Donc, euh, faites pas les rapaces. Envoyer des <laughs> subs. Hein ah ouais, ouais. Voilà, ça qu'on aime. Qu aime. Qu aime. Moi, je veux que pendant toute l'émission, ça fasse ça là. Bim, bim. Et au plus, <laughs> j'entends ce bruit-là, et au plus, la récompense, ça va être grosse. Et je vous le dis, hein, je ne suis, suis vraiment pas un rapace. <laughs> est du... Il, Il est vraiment généreux. C'est action. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien ça, non C'est un bon truc, ça. Combien ils font de subs en temps normal Combien on fait de subs Je sais pas, pour l'émission 4-5, je crois. 4-5. Donc on a déjà éclaté le... Non, mais objectif, premier objectif, 20 subs. d'accord non, on va le faire easy, tiens, regarde, t'entends ouais, le bruit là, okay. trucs, là Ensuite, on fait 30, et après on fait 50, et si on fait 50, mais les gars... On débloque, on débloque du NFT, on distribue... Du non, mais mais, mais j'ai <laughs> pas, pas faux mots, on ne sait jamais, mais vous allez voir, à 50, à 50, on envoie du méga lourd. Allez, <laughs> merci. Là, il y a du récolte-action. Ouais. Et, Ro... et Roca qui a raison, Metafight aussi, qui est un jeu de cartes collectionnées. Euh, non, mais en, en fait, on oublie les plus proches, parce qu'on n'y pense pas ouais, tout, tout Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, après... C est, c est, c est... On, on voit bien en fait cette, cette dynamique, et cette logique d'être en fait dans ce, ce trading card game parce que il euh, y, y a une vraie utilité, mais on aura le temps de, de bien en parler. Je vais essayer de pas vous grignoter le temps. Et non, question. Euh, bah, la dernière question pour vous présenter comment euh, vous avez découvert la blockchain Parce qu'on est quand même une émission crypto. On parle gaming ce soir, on parle blockchain tout le temps. Comment tu as découvert la blockchain pourquoi tu là aujourd'hui? Ouais. Ouais, bon, C'est une histoire, elle est complètement folle. J'ai monté cette. Euh, Toutes ces histoires. Ah ouais, <laughs> bon, moi. Euh, donc, moi, comme je vous dis, j'ai fait 8 ans dans le cinéma, où j'ai fait de la prod audiovisuelle, j'ai fait 14 ans dans le gaming, et euh, je rencontre donc, Richard Estev, qui est le cofondateur de Cross Edges, et pendant 4 ans et demi, tous les 6 mois, il vient me voir, il me dit Viens, on s'associe. Je lui dis Mais mec, mon business, il marche trop bien, je ne vais pas m'associer avec toi et te, te faire grignoter ma boîte alors que tu vas me donner de l'argent. Je pas besoin. Et il me dit, mais comment on peut s'associer ensemble Merci pour le sable, les gars. N'oubliez <laughs> pas, Call to Action 20, 30 et 50. <laughs> je vais le refaire à chaque fois, pour tous ceux qui arrivent. Euh, et donc, du coup, euh, Richard me dit, enfin, euh, on discute avec Richard, et il me dit, comment on peut s'associer Je lui dis, écoute, c'est simple. Si tu me trouves un concept que je ne connais pas, et je te jure, je serai franc, si je ne connais pas, et que le truc, je le trouve viable, on s'associe. Il vient me voir au bout de 4 ans et demi, c'est 2020. <laughs> Il me dit, j'ai trouvé. Il me dit, blockchain, NFT, et crypto. Je lui dis, merci beaucoup pour le sub. Il me, bien dit, bien. il me dit, mais attends, attends, mais il me dit, tu connais pas Je lui dis, non. Il me dit, bah, c'est parfait. Il m'explique le concept. Je pose deux semaines de congé. Je ne vais plus au travail. Et je suis complètement ouf de ce qu'il me raconte. Pendant deux semaines, en fait, je vais potasser, 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 potasser pour pouvoir, en fait, Présenter quelque chose à Richard, et à partir de là, je ne me suis plus jamais arrêté. Et en fait, je, trouve ça, je trouvais ça tellement révolutionnaire, tellement passionnant que, que je suis rentré dedans. Et, et pour la petite anecdote, c'est rigolo parce que les gens pensent qu'il faut connaître du monde dans l'écosystème. Vraiment, moi, je vous le dis, c'est que au culot. Tout marche au culot. Première fois que je fais un événement, donc euh, un, un événement crypto, c'est Token 2049, le 9 novembre 2021. Les gars, je connais personne. Et euh... Bon événement bon pour commencer. Bien, c'est bien. <laughs> je connais personne, tu vois. Donc, euh... Et je vois, en fait, je connaissais juste Sandbox et Sébastien Borgé, donc je le vois passer. Juste. Je le connaissais pas, ouais. je, je le connaissais visuellement. Okay. Tu vois, okay. visuellement. Et je vois plein de gens, mais comme des petites abeilles autour d'une ruche de miel, tu vois, autour de lui. Et je lui dis écoute, euh, je sais qu'il y a plein de monde, tu me connais pas, je viens du monde du gaming, j'ai quelques studios, je sors un nouveau pro je sors un projet et j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu peux me donner tu vois, ton avis Et il me dit écoute, ça tombe bien, j'ai un rendez-vous euh, j'ai un rendez-vous qui vient de, 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 de sauter, et me dit j'ai 30 minutes. Et pendant que je lui parle, il me regarde, il me dit, mais c'est fou ce que tu me racontes là. Il me dit, mais c'est du délire. Et, euh, et il me dit, bah, si tu veux, je fais un, un repas donc, euh, euh, chez BGA euh, ce soir. Il m'a dit, on est 30, mais il y a, y, a, y a une place en plus. Il me dit, ramène ta fraise, viens, il me dit, je t'invite et, et tu vas pouvoir pitcher. À ma droite, tu as donc, euh, Alexander Léonard, donc, euh, que je ne connais pas, qui est à Infinity, rien que ça. d'autre côté, tu as euh, Moesdin de chez Animoca. Et donc il me pose la question, tu fais quoi Je remonte mon téléphone et, et je remonte les slides. Et au bout de, de je sais pas moi, une demi-heure, tu as Alexandre qui me dit, mais je te connais, tu, tu faisais des cartes magiques, tu me vendais des cartes et tout. Et toi, je dis, ouais, 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 c'est moi. Il me dit, écoute, ton truc, il est incroyable. Et il me dit, eh, et je vais investir. À ce moment-là, je te jure, hein, tout le monde s'est arrêté de parler. Tout le monde s'est mis autour de moi. J'ai eu en promesse de dons 3 millions de dollars en une seule soirée. On a levé 12 millions en moins de cinq semaines. Grâce à cet événement et je ne connaissais personne, j'ai fait près de 170 rendez-vous avec quasi la totalité qui était intéressée pour investir. Mec, je suis arrivé du néant, du néant. Total. Alors c'était le Bear Market en plus. Non, 2020, le, le méga boule. Le 20, 2021, c'était ah, de, novembre 2021. Novembre 2021, c'était la fin ouais, okay. c'était le okay. complet. Okay les mecs ils disaient, prends mon argent. Ouais, c'était maintenant qu'il fallait le prendre. Ils ouais, t'a besoin vrai. de combien Il me dit tu veux un million. Je dis, non non, c'est trop d'argent. Je dis je... <laughs> on en a 70 aujourd'hui des investisseurs et tu l'arrivée de ce soir là, tu avais Square Enix en fait qui s'est positionné que je connaissais. Tu avais t'as tu as plein de gens donc tu as plein d'éditeurs, tu as cinq éditeurs de jeux qui sont arrivés mais c'est complètement fou de se dire que tu vois tu, tu vas aller à un événement avec euh, cette volonté, tu vois de, de faire un truc et tout le monde "Eh, hey, on a combien de subs là, ouais, Ça là fait où beaucoup où... Hein, là 17, bon, on va 10. faire comme ça. Ouais, y y il lâche des gros dents, c'est ça Parce qu'il y a des trucs, on ne sait même pas ce que c'est. Il y a, y a, y a des cadeaux. Ah ouais. Ah bah eh, ouais, bravo. Ouais, merci, 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 pour euh, ça, Vraiment, c'est super important ouais. pour eux. Je, je pense que ces subs-là, ils sont faits pour pouvoir euh, mettre en avant le travail qu'ils font. Et vraiment, moi, je suis trop content. Je me suis fait quand même 4 heures de route en voiture pour venir. Je peux vous dire que si j'ai fait ce déplacement-là, c'est parce que je considère cette émission comme étant The Émission. Et on va offrir The Cadeau donc 50. Il n'en reste plus que 33. Je compte <laughs> sur vous, les gars. Showman. Ouais. J'adore. Merci, mais, non, merci hein. mec. Non, mais merci vrai. en tout cas. Ouais. Merci pour les dons. Merci. Et n'hésitez pas à. Mais du coup, à faire fait, quand tu es dans une anecdote, on ne réagit pas. Et une fois que tu as fini, on, on fait merci. Il ah, bah, y en a encore. Merci, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci, merci. Les gars. Et Tu nous ouais. fais, tu nous fais le, le 20, 25, 30, 35, comme ouais. ça, on sait comme ça, tu, tu nous le dis. Bah, Merci Raphaël beaucoup. On fait le décompte. Merci. On a dit, on va vite y arriver. Hein. Ouais, ouais. Vitesse, et si on fait 100 Alors, si on fait 100, ouais, les gars. Si on fait <laughs> aïe, 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 aïe. Ouh là là, si on Si suis... on fait 100, on fait, on fait visite spéciale par le CEO chez Crozier Edge. Je vous montre tout, tout ce qu'on a chez nous et comment on a fait pour euh, monter la boîte. Et on vous paye le transport d'où que vous soyez, en France ou à l'étranger. Voilà. Rien que ça. Beau gosse. Beau gosse. Mais nous. ça, il faut faire 100. Il y a, des, <laughs> y a le cadeau pour 50 aussi. <laughs> J'avais un petit, j'ai envoyé un petit message moi, en mode bon les gars lâchez plus de cadeaux là, la team il nous faut plus de trucs. On <laughs> va leur des dise, cadeaux. Ça, Mais non bien. on va donner des cadeaux. <laughs> cadeaux. J'aime bien, je te jure ouais. j'aime bien donner des Mais cadeaux. Mais ouais c'est cool. Ils cool, méritent les temps temps gens. Temps. En tout cas ils sont là. C'est vrai. Ouais. Donc euh... on a Et parlé de quoi on euh, euh... De Sa première interaction. <laughs> a bah, en fait, première y interaction avec La question qu'ils vont te poser parce que rappelle-toi ils nous ont dit il faut aller droit au but, il faut répondre aux questions, il faut expliquer d'où tu viens, comment comment es arrivé dans la blockchain. Mais on disait que la prod était ouf aussi juste avant. ça. Parce que c'est vrai que la prod elle est cool. Parce que moi aussi j'ai fait 80. ans, enfin, pas de bagnole mais de train. Et surtout vous me faites rater la finale du top 14. Putain les gars. Et ça les gens, et ça, les gens les qui me connaissent, ils savent très bien. Ah ouais, t'es fan de rugby Ouais mais j'entraîne aussi. Enfin j'entraînais depuis.. Oh, je ah ouais, vois, ok. Par... Ouais, s'il ouais. ouais, ouais, y a un, un but, on n'entendra en rien <laughs> du tout. Bien on va pas envoyer des buts <laughs> dans la crotte. S'il y a un essai, on te dira... Tenez-nous au courant du match. On risque d'entendre, on risque d'entendre. Euh, non, du coup, la première question, interaction, première avec, la interaction avec la blockchain. Euh, moi, ouais, c'est assez tard aussi. Hein, c'est, euh, je crois, 2020, 2021, un truc comme ça, et euh, juste avant le bull run en fait. Hein, vraiment le bon, bon, bon timing, en vrai. Hein, plutôt de la chance. Et euh, donc vraiment assez tard quand tu compares avec toutes les autres personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. Mais euh, j'ai commencé avec euh, Comet, euh, donc. Ça va parce que du coup ça veut dire que tout de suite j'ai connu bon, Vincent, Jérôme de Tichet, Aurélien, enfin que des mecs cool quoi qui, qui se prennent pas trop la tête et ça m'a permis bah, juste bah, un peu au culot, un peu, un peu à la Samy d'y aller et de dire bah écoutez on va vous faire un... Euh, j'aime bien le jeu, j'aime bien le principe. À la base, moi, j'étais juste venu parce que j'ai vu un jeu, j'ai fait, tiens, un truc à collectionner, c'est sympa, on va voir ce que c'est. Le trading card game, en fait, TCG, encore une fois. Moi, euh, bon, à l'époque, Crazy Edges n'était pas, pas public, donc sinon, je, je me serais acheté là-dessus. Mais enfin, dans l'idée, voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Euh... Et derrière, pendant je... ce temps-là, j'étais encore chercheur, donc j'ai été au CNRS pendant quelques, quelques années avant. Euh... Bah, je viens du monde chimie-physique chimie des matériaux, donc c'est n'est pas forcément le forcément trop un lien avec le gaming mais en vrai euh, quand y on y réfléchit il y, euh... y a des trucs mais euh, voilà dans, dans l'idée c'est plus une méthode de travail en fait quand je suis arrivé il y avait euh, à l'époque c'était Blackpool qui euh, investissait un petit peu enfin qui, qui, qui achetait des NFT euh, à droite à gauche et qui les mettait euh, dans les mains de managers pour jouer et euh, dans l'idée je trouvais que voilà il, il y avait un, un process à faire en fait pour décider de quel jeu euh, était intéressant et euh, bah, ce process il a fallu mettre en place et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai pas été chercher plus loin qu'une méthode scientifique classique c'est à dire on prend les experts de chaque, euh, de chaque branche, toi es bon en économie, il y avait tout à faire en fait à l'époque il y avait personne qui était expert en blockchain game design quoi, donc tu, tu prends euh, un mec qui est bon en, en, en économie, tu prends un mec qui est bon en game design, tu prends euh, un, mec est bon un mec qui est bon physique, mais qui, est, <laughs> qui, 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 voilà, qui, qui coordonne un peu. Euh, et du coup, après, voilà, tu prends les retours de tout le monde, tu, tu fais un peer review, en fait, tout simplement des projets, et ensuite, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand chose vraiment très sustainable dans le look mais bon voilà c'était euh, c'était un peu le début donc euh, bon, forcément c'était des tests ça partait un peu dans tous les sens enfin il y avait des, des mécaniques qui étaient clairement à revoir mais il faut aussi remettre dans le contexte de l'époque en fait bah, tout le monde testait un peu des trucs tu vois il euh, y avait un peu de euh, du coup tu as la recette secrète d'un jeu qui marche bien et... en fait je pense j'ai j'ai épluché je pense 200 jeux euh... que web 3 ou c'est que que aux... déjà avec du web 3 dedans, okay. ouais. Euh Très peu euh, m'ont convaincu en fait, euh, parce que il y avait toujours un problème quelque part. Euh, on en parlait un peu avant l'émission, le problème de d'où où vient la valeur du jeu et comment elle sort du jeu et avoir autant de liquidité, c'est-à-dire au enfin, sens où on peut entrer et sortir tellement facilement dans jeu web 3 que euh, fondamentalement, surtout dans ce milieu, tu vas euh, jouer avec l'affect des joueurs en leur disant ils vont gagner de l'argent. Et bah ça, c'est super dangereux en fait. Tu peux pas juste faire gagner de l'argent aux gens. Il faut que ça vienne de, un travail. Faut que vienne de quelque part. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Il faut que tu aies une grosse IP. C'est pour ça que, que, que Samy, Crozier et Oxy Origin, on, on travaille sur une IP en réalité. On travaille sur un écosystème, pas juste sur un jeu, parce que faut qu'il y ait de la valeur quelque part. Et tu peux pas juste en distribuer euh, des quantités comme on voyait au début, euh, enfin, à l'époque des, euh, des axis et des Axie like C'était des quantités faramineuses. Les gens on se faisaient des salaires dessus. Ouais. et c'est pas c'est pas sustainable voilà et c'était euh, j'ai pas le mot en français de sustainable c'est pour ça que tout à l'heure je dis ça mais euh, euh, durable. Durable, ça me vient pas durable On durable ouais, en fait ça. Non, durable pérenne pérenne ouais Parce... bon, bref voilà, c'était pas en fait pour rebondir sur ce qu'il dit tu as tu as une étude qui a été faite par par le journal du coin que je vous invite à lire euh, où euh, on te dit que depuis 2021, tu as eu plus de 2500 projets Web3 qui ont été donc euh, lancés, initiés. Aujourd'hui, tu as, as plus de 80% de ces jeux qui n'existent plus. Et mmh, dans, ces 80, dans les 20%. 80 qui n'existent hein. qu mmh, plus. Ouais. Voilà. Après, tu as, as 15%, as vu, ils sont encore là, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et dans les 5% qui restent, tu n'as quasi aucun qui fait de l'argent. Et qui arrive en fait, à dégénérer en fait du profit parce que tu te rends compte que. Euh, c'est compliqué. Ça marche, en fait, à des spikes, ça va marcher pendant un moment. C'est pour ça que tu vois le, le mot la play to earn, je est galvaudé. Les, les gens, tu, tu dis aux gens c'est un play to earn, il est même plus utilisé aujourd'hui. Ouais. C'est des ah non, tendances, il a aucun sens en fait. Il, ça n'a pas de sens. Oui. Ça. Il y a plein de trucs qui ont pas de sens. On, on va se faire plein d'ennemis ce soir, mais n'oubliez pas les sub. Hein, Rappelez-vous, <laughs> pour ceux qui viennent d'arriver. Si de... J'ai annoncé, j'ai annoncé. À partir de 20, il y a une petite récompense. 30, il y a un truc qui est pas mal. 50, on envoie du lourd et 100, c'est le méga cadeau. Donc j'ai expliqué à peine ce que c'était, mais je vous garantis qu'à 100 vous serez content de. Est-ce qu'on dit qu c'est du sub to earn? Ouais, ouais, c'est du sub tour. Là, J'ai pas entendu de bruit depuis tout à l'heure. Donc, ouais, euh, ne soyez calmant. pas radins, les gars. Vous allez largement récompenser. Et on fera un classement hein, de ceux qui ont fait le plus de subs, ceux qui en ont offert plein, histoire que vous soyez pas lésés. <laughs> ceux qui mettent Pardon. les meilleurs vannes dans les commentaires aussi. En fait. plus. Ouais. Ah, ah, vrai, les ça, gens ça, disent Stephen, aïe, aïe, aïe. Ouais, Stephen, bon, on va. On en parle On a des anecdotes à raconter. Tu veux qu'on se fasse des copains, c'est ça Mais non, c'est bien. Mais non, mais attends, c'est trop bien. Enfin, marketing, en parlant, il y a des choses, il y a plein de trucs à apprendre. Après, euh, en termes de modèles, euh, c'est toujours les premiers qui, 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 qui sont bien sortis, qui avaient des choux et qui, ont, qui avaient des poulets, qui avaient des chiens, qui avaient des chats. Ils ont équipé <laughs> les animaux, ils les ont fait courir. Ils ont récupéré un max du max. Et ensuite, bah, ceux qui sont arrivés derrière, malheureusement... Euh... Et en fait, je crois que c'est ça. C'est ça qui a éclairé les gens du, du, du Web 2. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait des opportunités et que les gens du Web 2 arrivent, et même des gens qui ne connaissent pas trop, ouais, ils se font enfumer. Les se disent Mais laisse mmh. tomber, je suis en train de me faire déboîter. Et, 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 et le truc, le sentiment, il est tellement dur. Merci ah, pour le sub. Voilà. Il est tellement, tellement, tellement dur que, que ben, forcément, tu, tu as vraiment euh, euh, ces gens en fait dans le dans, 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 du Web 2 qui détestent le Web 3. On, a combien, on, a on est à combien On est 20 là, on a passé les 20. On a passé les 20 ou pas On est à combien là On est à 30 Putain, t'es... Ouais, ouais, f... Merci, merci à toi, je sais pas comment tu t'appelles, mais merci ouais. à toi. Ouais. Ouais. vraiment. Fais-lui fais un gros big up. Comment il s'appelle Vin... Ah, Vinci C'est un de la communauté Cross the Ages. Y'a <laughs> <laughs> <Et> Vinci, <laughs> allez, Vinci. bravo. Bails, bravo Vinci. Merci, merci. 30, on est à 30. Merci tout le monde. On est à 30. 100, hein, on a dit 100. 100. 100 sinon rien en fait. Non, on a, euh, <laughs> non, on a dit. 30, il y, y a déjà des cadeaux. Mais 30, c'est bien. Mais 100, les gars, 100 c'est mieux. 100 c'est mieux. Toujours plus. C'est pour la bonne cause. Hein. Alors. Tom avait préparé des petites questions pour vous. C'est moi qui les lis ou c'est toi qui les lis Vas-y, vas-y, je te laisse. les lis. C'est des. Euh, tu préfères ci ou tu préfères ça Tu préfères ci ou tu préfères ça Donc c'est. Okay. Oh là là, là, ça envoie des. Ça envoie. Allez, ça commence à Dès que c'est des 5 et dit... 10, ton, ton casse-croûte casse oh, merci ton casse-croûte ouais, ouais, casse c'est un fidèle de chez nous bien on vu. a des casse croûtes bien vu allez, -y. allez un gars qui en sub 50 et vas-y c'est beau merci encore bah, je pense que les, les, tous ceux qui ont fait au moins cinq on les cite hein. bah ouais, ouais, car... oh, ouais. on va faire applaudir applause et tout on a combien 40 là je vois pas ouais et là plus à plus cinq qui sont pas à jour magnifique allez allez <laughs> Allez, ah, les gars de chez hey, gars. on vous aime la communauté Xborg. Ouais, en fait, on vous aime tous. Tous Allez, on vous aime, les gars. Il eh, va falloir revoir les. <laughs> il n'y avait pas l'ouvrier qui a le temps d'apparaître. Ah, ah Roca. Roca Allez, Roca Merci, Roca. Et je leur ai pas il fait le été... bonjour. Hein. Je... Ah. Ah, on... ah. Roca, tu sais ce qu'il te reste à faire. <laughs> Allez, ah. merci. Pire pressure. Pourquoi ça s'affiche pas On va y arriver, je te jure. Allez, on va y arriver. Les petites questions sur les jeux. Alors, comment ça marche Chacun son tour, Chacun son tour. Allez, c'est parti. PVP ou PVE PVP. PVP. RPG, RPG ou MMORPG MMORPG. RPG. Play to earn ou move to earn Je déteste play to earn. Ouais, ça va être, être move to earn. Un... Ah, on a le droit de dire ni l'un l'autre Ouais, ni l'un ni l'autre là. C'est la même chose. Point. On a le droit de le droit de faire ça. Ni l'un ni l'autre. Xbox ou PlayStation PlayStation. PlayStation. Console ou PC PC, c'est. Solana ou Bitcoin Bitcoin. En fait, faut répondre en même temps. On ouais, 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 du temps. Ouais, c'est bien, c'est bien. IMX ou AVAX IMX. Autodidacte ou via les études Autodidacte. Auto Sandbox ou Minecraft Ah Il <laughs> y a un, jo un joker Sébastien <laughs> <laughs> ne regarde pas, c'est bon. <laughs> non, j'aime les deux. Ouais, pareil, bisous Seb. <laughs> Alors, euh, lever en equity ou en token Token Ouais, token. Il y a des questions au travers. C'est triple A ou jeu 1D Triple A 1D. 2D Parce qu'on on peut on... faire du triple A 1D avec du web -screw. Ouais, tu, peux, tu, 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 peux, tu pourrais. Ah ouais, C'est le principe. Tu pourrais. Tu peux, tu peux. 2D ou 3D Ça va être du 3D. Bah, ça dépend du gameplay. Mais ouais. aujourd'hui, plus la 3D quand même. Microtransactions ou achat unique. Microtransactions. Ouais, micro plus de trucs. Tu Alors, peux dire, hein, j'ai unique, exergueur. Je te jure, je Non, 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 non je, je suis en train de réfléchir aussi euh, derrière, mais non. Moi, j'aime bien quand les gens les achètent, tu vois là, comme les subs, là, c'est des, 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 des microtransactions. Ils hein. pourraient se les revendre, les subs. Ils <rire> pourraient. <rire> D'ailleurs, ça fait partie. Donc maintenant, on a... vous ralentissez, les gars. Je suis on a... un peu déçu. Ça fait au moins 24 secondes qu'on <laughs> a pas entendu On a plus un de, de, de questions. Du coup, il y avait des questions justement sur le business model. Pour vous, c'est quoi le jeu vidéo qui a réussi le, le meilleur business model aujourd'hui, depuis 2024, tout, confondu, confondu. Pokémon Go. C'est quoi le business model J'ai jamais joué. Scrabble hein. 2D. Pokémon Go, Pokémon Go, tu, tu backs <laughs> déjà ta carte, tu bacques ta carte en fait sur la, 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 le, le mapping réel. Okay. c'est un free to play et tu donnes la possibilité aux gens en fait d'agrandir leur sac pour avoir plus de pokéball pour capturer plus de pokémon tu vois. tu crées en fait des, 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 des micro paiements ça s'arrête jamais et c'est le jeu qui a entraîné le plus de monde il n'y a aucun jeu sur la planète qui a fait en sorte que la circulation sur Central park s'arrête parce que tout le monde descend de la voiture parce qu'un ronflex apparaît enfin 2016 il faut, il faut faut se rappeler de ce qui s'est passé il n'y a rien Rien, rien a fait ça enfin celui qui me dit il y a un jeu qui a fait mieux je vois pas ce qui a fait autant courir des gens j'ai couru 697 km les gars j'ai vraiment couru donc euh, pour te dire tu vois nous on avait on avait une boîte on avait on avait une boîte donc de jeux vidéo euh, on fermait le rideau on partait tous courir pour aller chercher des pokémon qui étaient pas très loin de, de chez nous imagine donc euh... c'est à quel moment que tu payes tu payes quoi tu, tu euh, payes non. en fait tu payes au fur et à mesure tu la sens pas arriver la douille euh, euh, c'est vraiment c'est euh... les packs en fait tu vas faire des, des micro paiements tu vas tu vas, tu vas acheter de l'encens. Tu vas acheter en fait plein de petits trucs à 99 centimes, 1 euro. Tu le sens pas passer, je te jure. À la fin du mois, tu dis, j'ai payé 100 balles déjà. Ça va très très vite. Et en fait, tu, tu mets de l'encens quand par exemple es chez toi et que tu peux pas sortir de chez toi. Tu mets de l'encens. Il y a plein de Pokémon qui se rapprochent de chez toi. Okay. Du coup, n'as plus besoin de courir. Mais ça coûte des sous quoi. C'est quoi c'est en Apple Pay et tout genre ça passe tout Apple vite. Pay ouais Google et enfin le jeu il a été top pendant des années enfin il a aujourd'hui encore il fait partie des, des meilleurs téléchargements même si ils ont perdu beaucoup beaucoup de monde ça reste en fait un modèle économique qui est, qui est plus que viable et qui est basé sur de l'IP, euh, ouais, on, on Pokémon, on fait IP. 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 en fait ah, c'est une ça? propriété intellectuelle pardon, ah. en fait euh, tout est basé en fait sur, sur une partie émotionnelle si vous avez vu Pokémon quand vous étiez petit peut-être que vous n'avez pas regardé Pokémon mais l'histoire de Pokémon c'est que tu as un dresseur qui s'appelle Sacha qui vient du Bourg Palette et qui est nul à chier ce mec passe à côté des plus beaux Pokémon de la planète, des trucs les plus rares et à chaque fois il les laisse passer et ça crée une frustration en fait pour le téléspectateur qui regarde, parce que de 1, il les dresse pas bien, de 2, il s'est pas respecté par ses Pokémon, et de 3, il loupe tous les bons Pokémon. 96, le début de Pokémon, 2016, la sortie donc de Pokémon Go, et on te dit, tu as le choix de changer ta destinée et de faire ce que Sacha a loupé. donc du coup, tu as des mecs qui ont commencé à tryhard, ils ont dit, mais mec, moi, j'en loupe aucun des Pokémon. Et donc c'est émotionnel, c'est devenu un truc où euh, tous les gens ont essayé de capturer parce qu'ils ils voulaient récupérer leur Pokédex. Un Pokédex de Kanto qui a incité donc, les gens à capturer. Donc, ceux qui connaissent savent de quoi je parle et je sais qu'il y a beaucoup de gens. Et je pense que vous laissez un petit comme hein, dans, 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 dans le chat des fans de histoire de savoir si vous avez joué ou pas à Pokémon Go, si ça vous a touché un jeu un, un sondage ah ouais c'est bien ça un sondage, un sondage ah, avez-vous joué, joué à Pokémon, à Pokémon Go, Go. il y avait du earn du coup euh, pour les gens ou pas on il y, y a pas de logique de, de ça ça c'est ça c'est ça c'est ouais, web3 je vais avoir tel Pokémon parce que je vais le revendre sur le marché Exactement. gris il hein, y a il y, 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 y a pas il de... a, a, a pas de marché gris en fait en gros comment ça marche c'est et ça c'est phénoménal lorsque tu captures un Pokémon c'est un petit être avec des statistiques d'accord tu vas être obligé d'en capturer une pelle parce que tu as un... Petit pourcentage, moins d'un pourcent en fait, qui est en fait du 100%. Donc il faut en capturer plusieurs centaines pour choper le bon Pokémon. Okay. Et en fait, une fois que tu as chopé ton Pokémon, tu vas le cramer, récupérer des bonbons. Et en fait, recommencer, recommencer, tu t'arrêtes jamais. Et peut-être qu'avec un peu de chance, tu récupères un Shiny. Ouais, ça c'était ouf en fait. Shiny, Ça, ça c'était la méta de Shiny, Pokémon depuis Shiny. le début, ils ont C'est LE Pokémon rare, tu vois. Ouais. Mais tu peux avoir un Shiny tout pourri. Donc du coup, tu continues en fait, tu ne t'arrêtes jamais. Oh. jamais. Jamais, 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 jamais. Il y a toujours des niveaux de rareté en fait, mais ils avait tout de suite pigé ça parce qu'en fait c'est du collectible dès le départ. Uh, ça dans, Et dans les quoi. NFT on... Et on le revoit tout non fait. transférable, ouais. Ouais. non vendable. Tu pouvais vendre tes comptes, mais ça valait pas le coup. Le temps que tu avais passé ne ouais, te rendait pas en fait l'expérience vendable. Non, c'était pas le but. Non. Pas le but. Non. Non. chat ils disent le jour où on peut faire la même chose avec des, avec des actrices X, je try hard mais pour Pokémon jamais. D'accord. <laughs> ok, <rire> okay. Pas levé de ma chaise de bureau depuis 1997. <laughs> Je suis passé à côté. Il n'y okay. avait pas une histoire avec Pokémon Go où c'était fait justement pour scraper de la data euh, et renvoyer des trucs et tout avec les câbles. Il mettait des points d'intérêt dans des lieux bien spécifiques parce qu'il voulait avoir des trucs. Il y a peut-être eu. Merci. Wow. C'est qui ah, qui, a qui, a fait... qui a fait des abonnements Qui a fait des abonnements Donne-nous un nom. Euh... Encore Vinci Vinci, Putain, Vinci, mec, t'es vraiment méga généreux. Aujourd'hui. Il veut venir ouais. nous voir, Vinci. Euh... Il, veut, il veut venir passer les vacances. Vinci, merci beaucoup. Bravo. Ouais. Bravo. On a merci combien 50 C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. C'est pas mal. On devrait faire un benchmark avec un autre. 51 abonnements, c'est bien. Franchement, les gars. Plus que 49, les gars. Après, comme tu dis, ça part de la série. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais regardé la série. Ça me viendrait pas à l'idée de jouer. Quel âge tu as Je suis de 96, j'ai 28. C'est parce que t'es trop vieux. C'est pour ça. Et toi, t'as quel âge 25. Ah ouais, putain, je suis vieux, mec. Ouais, toi, tu viens de prendre un coup de vieux aussi Ah ouais, j'ai rien à clacer. Moi aussi. Je suis de 90 moi je suis de 84 ah ouais je suis foutu les gars c'est normal que je garder, mais c pas... <laughs> normal que vous n'ayez pas joué 96, c'est le moment où ça a commencé ouais. non, moi j'avais Yu-Gi-Oh ah ouais, Yu -Oh. enfin, ouais. oh, par contre moi je Yu-Gi-Oh bah pareil 86 ah, oui. Yu-Gi-Oh ça c'est la première fois que j'ai si tu remarques si tu remarques bien en fait comment pourquoi est-ce que ces jeux ils existent toujours c'est parce que il y a un lien émotionnel fort ah, bien sûr Yu-Gi-Dragon Blanc Yu Bleu enfin tu sais euh, quand as découvert le dessin animé Exodia bah tu sais que tu vois ça ça fait un truc quoi je te parle de Yu-Gi-Oh ça te fait ouais. un truc ouais et moi, je, pense autant, que... je regardais pas des dessins animés, autant sur la Game Boy Advance SP. J'ai tryhard euh, Pokémon, là, avec euh, ouais. Blonde, ça, ça Palkia. Ouais, un... t'as enfin, repris un, un coup de vieux, vieux à, à... à SP. Ruby, Emerald Sapphire. Mais genre, je tryhardais, genre, je balançais la, la Game Boy parce que je n'arrivais pas à passer des arènes, tu vois. Ah ouais. Alors, je tryhardais pour de <laughs> vrai. Qui n'arrivait pas à passer des arènes Tu jouais à quel âge Je <laughs> sais pas, j'étais jeune en vrai. Hein. J'avais <laughs> 11 ans. Même ouais. à... Non, mais tu vois, c'est là que j'ai pris, euh, pris conscience, en vrai, que le gaming, ça pouvait vraiment pomper du temps, quoi. Parce que j'avais, alors, pas la Game Boy SP, moi, c'est une bonne vieille Game Boy Color, là. Et, euh, et je crois qu'un jour, j ai, j ai, je sais pas, il y a déjà Madaron qui a dû me demander, mais t'as combien d'heures sur ce jeu Je me suis dit, tiens, oh, c'est vrai, j'ai fait combien d'heures sur ce jeu Et en fait, sur Pokémon Rouge, à l'époque, tu pouvais aller voir, enfin, tu avais le, le nombre d'heures. Et ça, je me suis dit, ouais, je dois avoir une dizaine d'heures. Hein. Une dizaine. Ouais, <laughs> manquer un zéro large, si tu veux. Ouais, ouais. j'étais arrivé à 200 heures, je vais avoir, je sais pas, moi, 14 ans, et je fais... Ah, ah. Effectivement, on peut éventuellement perdre pas mal de temps dans un jeu. Et... Mais c'était cool quand même. C'est le meilleur cool. vecteur d'intention qui existe. Mais de quoi. fou. Après la vidéo, ouais. je pense le jeu vidéo, c'est pour ça. Et le, les, secrets, les secrets quoi. Il est secret qui avait parce qu'ils avaient déjà compris ça à l'époque fin des années 90 chez chez Pokémon que si tu voulais aller capturer l'attention du, 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 du joueur, tu lui donnais le jeu et tu lui mettais des, des légendes dans le jeu genre des trucs que tu savais. Genre moi il y avait des trucs débiles à l'époque. Genre si tu prenais que Sulfera et que tu faisais toute la ligue tout seul avec un seul Pokémon, euh, euh, tu récupérais des historiques des, des des dans tous les sens. Ils foutaient des secrets, c'est des historiques ah, dans tous les, les sens. Cool, hein. Et mais le pire c'est qu'il y en avait, c'était des vrais. Genre ils avaient vraiment codé des trucs, genre des... Il, y avait, mais il y avait une pelle dans Pokémon. Euh, les shiny, <laughs> les shiny, <laughs> les, les avaient pas annoncé. Il y avait des shiny dans le jeu. Non. Complètement. Il y a des mecs qui sont tombés sur des trucs, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais à l'époque c'était un, un brain total. Ouais. Et les ouais. gars ils ont tout de suite compris, ils étaient franchement forts, de toute façon chez Nintendo ils sont, ils sont si tu ils vidéo, énervés. Chez... Tu regardes les mecs là, qui ont fait Pokémon et ils l'ont fait parce qu'il y a tu, sais, as, tu peux faire le, le run de, de, de Pokémon rouge le plus rapidement possible. Ouais, tu et t'as le les, les mecs vite. qui se battent, t'as des gens qui l'ont fait des, des centaines et des centaines de fois le jeu, ils ne s'arrêtent jamais speed de le faire, ah, speedrun. Hum. Ah, c'est incroyable, incroyable. Mais ce que tu dis euh, c'est très vrai parce que moi avec des potes on avait euh, bossé sur, euh, pareil on essayait de faire la recette secrète d'un bon projet NFT. Et c'est vrai que quand il y a en fait une, une différence immense, il y a un potentiel d'upside, c'est-à-dire qu'il y a quelques NFT qui, sont, euh, qui se décrochent du lot ouais. et qui sont très rares, très chers, etc. Bah, tout de suite, ça fait succès, tu vois. Et ouais. en fait, tu te rends compte que c'est tout le temps pareil sur FIFA. Les mecs, ils achètent et tout parce que tu as envie de paquer Cristiano Ronaldo, etc. Et en fait, il faut qu'il y ait une, une séparation vraiment immense entre les cartes de base et, et, bien sûr. et le Exactement. truc shiny, Exactement. comme tu disais. Et il en faut Game pour Go. tout le monde. Il, en ouais, pour tout monde. monde. il en faut pour ceux qui vont tryharder et il en, il en faut aussi pour ceux qui vont vouloir dépenser un peu plus parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Mm. D'ailleurs, CTL fait super bien ça. Mais... On essaye, on essaye. <laughs> Mais tu sais que comme, en parlant de FIFA, quand tu regardes la, la, la recette, le disque représente pas 15% de leur chiffre d'affaires. Tout vient de fut. Ouais, Tout vient sûr. des, des, ouais, des en facteurs. Fait. Et, et c'est là où tu te rends compte de la douille. Tu as joué à FIFA 21. Tu te dis FIFA 22, tu recommences. Tu as fait tu FIFA. FIFA 23, tu recommences. Et tu recommences. Et tu recommences. Et là, tu te dis putain, mais merde, imagine l'interopérabilité. Alors eux, ça ne les arrange pas. Ils n'ont pas ça à faire, tu vois. Ouais. Ils pas envie de faire ça. <laughs> bah, Est-ce que c'est rentable pour eux hein. Pour eux, jamais. Bah, non, ça ouvre malheureux là, jamais ça. la vie. Mais, 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 mais à un moment donné, tu as vu, c'est bien aussi de dire aux gens euh, viens, on arrête. Arrête de te faire pigeonner tu vois, viens on fait un truc où toute ta vie tu le gardes tu vois. Après il faut créer tout un écosystème autour. Il ouais. faut trouver une recette pour que ce soit rentable pour eux, parce qu'ils y perdent un peu sur le marché gris quand même. Bien sûr, hum. euh... ouais, tu, 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 tu vends ton compte quoi. Ouais voilà, et puis même il y a des mecs qui viennent farmer des points, qui revendent des comptes, et complètement, etc. complètement, Et c'est vrai que c'est le premier exemple qui vient tout le temps en tête quand on essaie d'expliquer le, le gaming web 3, on dit ouais, FIFA 21 machin, tu perds tes cartes à chaque fois, c'est trop con, ce serait bien. Ouais. Euh... Oui, mais ils ne le changeront jamais. Enfin, ça n'a pas de sens pour Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça n'a pas de sens. Peut-être que demain, ça pourrait changer. On en reparlera tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça pourrait changer Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait complètement changer la donne. Qui pourrait faire que ça devienne possible. Par... J'entends plus de seul, là. C'est ouais, bizarre. Ça je ne sais pas si on s'est arrêté -ce à 50 Qu'est-ce qui pourrait changer la donne ben, En fait, euh, dans le monde du gaming, gaming aujourd'hui, il y a de plus en plus d'expériences de jeux. Jusqu'à là, c'est logique. Vous êtes d'accord que chaque année, il y a de plus en plus de jeux D'accord ouais. avec ça. Ok. Après, le... moins de créativité aussi, oh. dû au fait que Bien tu sûr. prendre, tu prends moins de risques avec les, tu plus, les Tous les, ouais. les publishers, tous les publishers ne prennent plus de risques et ne sortent plus de leur zone de confort. C'est pour ça que tu vois des jeux qui mmh. sortent avec des suites infinies, mmh. sans les citer, pour pas me faire d'ennemis, parce que je travaille quasiment tous les publishers. Mais euh, tout le monde en fait fait du recyclé parce que ça rassure, on va dire, les personnes qui vont acheter le jeu. Aujourd'hui, le temps moyen d'un joueur, c'est quasiment deux heures par jour. En temps moyen, ah ouais. Ce temps moyen, en fait, il n'est pas extensible, d'accord. Tu as une vie, d'accord, et tu peux pas multiplier les expériences de jeu. Comment tu fais Comment tu fais pour venir t'imposer et enlever le temps Je sais pas. Bon, as deux heures. Le mec, il a deux heures. Il a FIFA, Call of et Counter Strike. Comment tu fais pour lui enlever euh, un de ces jeux t as ouais. intérêt à t'accrocher pour ton expérience, tu vois. Quand Genshin est arrivé, tu vois, tu as intérêt à tar... euh, vraiment as intérêt à t'arracher pour. Euh, merci pour le sub. Allez, merci ah, Gringo. Gringo, gringo c'est Communauté Cross the ages. <laughs> Et Les gars, la Communauté Cross, je vous aime. Je vous aime, les gars, bravo. Merci, merci Gringo. Allez. Psychographe, ça, c'est un ouais. mec ah, à nous. Ah, voilà, battez-vous. <laughs> battez Chaudrait. vous votre commun... vous Nous, ah, No, 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 no whales ils sont, ils sont pas français. Merci euh, le psychographe, <laughs> merci Gringo. Ah, nous, on a que des bons gens de hein. On les aime, nous, les. On l'aime notre communauté. Merci les gars. Euh, et donc du coup, et donc du coup, pour revenir à ça, tu as donc euh, Epic qui a décidé de, de, de créer en fait des expériences immersives et qui incite en fait les gens à rester dans l'expérience. Et donc ouais. du coup, il crée en fait des, 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 des on top. Donc tu vas jouer à Fortnite, tu as... mais tu vas en fait avoir une nouvelle expérience de jeu pour garder les joueurs. Pourquoi tu fais ça Pourquoi es prêt à payer très très cher Pourquoi es prêt à payer très très cher Parce que tu te rends compte en fait que tu dois garder maintenant les gens et éviter en fait qu'ils Ouais. Et c'est très compliqué. Donc du coup, euh, partir en fait sur un jeu qui, on va dire, n'a pas d'IP, n'a pas de profondeur et autres, pas si fou. Mm -hmm. Et, si et ça devient de plus mieux. en plus risqué. Mm -hmm. Et donc, tu vois, ils préfèrent rester, on va dire, sur une sorte de confort en disant. Euh, je suis à Final Fantasy 16 on sort le 17 bientôt, mmh. je soir un nouvel. On, on se posait la question, est-ce que euh, les, les jeux ont une durée de vie euh, qui ont raccourci, baissé, raccourci avec, avec le temps, temps Aujourd'hui, on est dans la fast life, euh, TikTok. Euh, est-ce que gars. les gens consomment beaucoup plus rapidement On prend, on met à la poubelle. Un exemple tout, qu'on parlait de card gaming tout à l'heure, l'un des jeux, pour moi, Masterclass qui met une claque en fait dans le gaming, dans l'UIUX, dans la manière en fait d'aborder les jeux de cartes, dans la simplicité, dans la capacité tout de suite à le prendre, c'est Marvel Snap. Marvel Snap, c'est Ben Brode en fait, c'est celui qui a fait Hearthstone. Okay. Quatre ans de production pour le jeu, un an de liche un marketing hors du commun. C'est du Marvel aussi derrière. Le mec ouais, ouais. est un prodige. Je te jure. Hein. Quand il est arrivé, il est arrivé un peu avant Cross. Je te jure, j'ai fait waouh, c'est un truc de fou. Le jeu, il est resté, je sais pas moi, six mois dans les dans les tendances. Aujourd'hui, il est dans les méandres, mais c'est pas possible, tu vois. Voilà Alors parce oui. que parce que en fait, ben c'est du Web 2 où tu mets du paiement, c'est du micro paiement, mais c'est même plus du micro paiement. es obligé d'acheter très cher tes cartes. Les gens, ils ont pété un câble parce que forcément, il fallait dépenser de la thune et tu pouvais pas le récupérer derrière. Et donc du coup, ben, naturellement, ça, ça a disparu, quoi. Ouais, ouais. C'est euh... quoi du coup la recette pour garder euh, la communauté, euh, Gabin peut-être, vu que wow, tu avais la recette euh... magique non, La, la oh, oui. une communauté tu la gardes avec l'IP finalement, parce ouais. que quand tu regardes les, gros, les jeux qui fonctionnent, et même en fonctionnant ils sont obligés d'en sortir tous les ans, hein. tu as, as cité euh, les Call of, tu as cité euh, Assassin's Creed, y, ils, sont, ils sont obligés d'en sortir ouais. du nouveau contenu émotionnel. régulier. Ils savent que même s'il n'est pas très bon, ils, au final, ils s'en foutent. Ils vont quand même en vendre 20, 25 millions de copies. Donc, au final, ouais, c'était obligé <laughs> de, de, de garder. Quoi. Euh, oui, non. En fait, le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, ça a commencé, en fait, la formule a commencé à foirer. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire ouais, de a... Call of Duty Infinite Warfare. Euh, la battle au sein de. Il ont... euh... ouais, y, y, y a eu, y en y a fait, pas mal de problèmes en termes de, 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 de surproduction. Mm. Et ce jeu, en fait, le résultat de ce jeu, c'est que quasi la moitié, allez, le tiers de la boîte, elle a disparu. Ils ont été virés ah ouais. chez Activision parce que c'était un échec. Euh, aujourd'hui, tu vois, même beaucoup de publishers ont vraiment un vrai souci en fait de rentabilité et de génération de revenus parce qu'ils bah, n'y arrivent plus. Et en fait, quand tu te foires sur un jeu comme ils se sont foirés, je te garantis que ça fait très, 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 très très, très mal. Parce qu'ils ont quand même des attentes qui sont importantes. Après, tu as, as, as des. Le seul studio, moi, aujourd'hui, où je sais tu vois, que quand ils sortent un truc, c'est une claque. Ils mettent 5-6 ans pour faire un jeu, c'est Rockstar. Ouais. Rockstar, ce que j'allais vous leur... dire comment GTA ils font pour garder les mecs mec, 10 5, ans sur un jeu, quoi. C'est 5-6 ans, c'est du Millen Farmer, pas... c'est du Millen Farmer, mm. Farmer, mec, des... ils viennent, as... ils t'ont sorti un, un, un teaser, s'il te plaît. Ils ont sorti un teaser en 2023 pour dire le jeu arrive en 2025. Allez, attends maintenant. Attends, tu fais ça. Ok, ok, je vais C'est risqué comme mouvement, ouais. C'est ouf. Et ça avait pas leak. la hype, après, faut m'assurer, quoi. Mais après, bon, ils ont les moyens d'assurer. Non, mais c'est parce qu'un mec avait leak, je crois, le teaser, donc ils ont dû se presser. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est si c'est pas volant. -ce ouais. Voilà, c'est du... Ouais, on va, on va... du marketing. Hein. C'est important aussi de rester dans la tête des gens en disant, bah écoutez, on arrive. Euh, le temps, va passer comme il va passer. Ils ont fait Red Dead Redemption aussi, qui a été une tuerie en termes ouais. de, de travail, de scénario. Ils prennent des, des scénaristes monstrueux. Ils mettent les moyens qu'il faut. GTA 5, ça a coûté 200 millions de dollars. Ça, en a, ça, ça a généré 800 millions dès, la, dès le premier mois. Donc tu vois, on se parle de trucs qui euh, ça va. Du maîtriser, euh, tu regardes par exemple Cyberpunk, Cyberpunk, lancement ah compliqué, c'est quoi cool, c'est dur, quoi. Tu ouais. vois, euh, Cyberpunk, mec, c'est très très dur. On se parle d'un de, de 2021, euh... 2021. c'est des Projekt, c'est l'un des plus de gros, gros. c'est The Witcher, ouais. c'est l'un des plus gros studios. Euh, L'attente, c'est six quoi. ans, six ans de, 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 de travail dessus. Il a été reporté quatre oh. fois, ouais. quasiment cinq fois, et en fait, euh, les investisseurs ont dit c'est bon, on en a marre mec, tu démerdes, vous le sortez, mmh. vous le sortez en fait. vous le sortez maintenant pour les fêtes de Noël, sauf que le jeu ben, il n'était pas prêt. Et ouais, il était, il était ouais. Pas prêt. Ils ont sorti un jeu et mec, c'était une catastrophe tellement <laughs> violente. Le Gwent, ouais. Gwent, c'est quoi le Gwent C'est le, le jeu, jeu de de, de Witcher. Jeu dans Witcher. Ah ouais. Ouais, c'est c'est jeu de carte. Ça c'est un truc très très cool. Beau ouais. jeu de carte, même tu as des jeux web3 mais qu'ils ont copié-collé le truc, c'est très ouais. très bien foutu. Ouais, ouais. Très très bien foutu comme jeu. Il y a un jeu je trouve qui est pas mal, hein. moi j'adore les MMORPG. j'étais très joueur de RPG, Wars 2 énorme. Ils conservent toutes tes anciennes assets, ils font juste que ressortir des nouvelles mages, ils, a, ils agrandissent la map avec du lore à chaque fois des nouveaux trucs. Et, et je les trouve très bons quoi. en fait les, les, les joueurs ils n'ont aucun problème à, à sortir le portefeuille pour plus de contenu en fait. exact le problème c'est que quand on dit DLC aujourd'hui en fait on parle juste de, de, de réparer les bugs hein, tu vois enfin les, les... bien sûr il y, y, y a ce problème là c'est que le, le joueur il est pas con il voit quand on se fout de sa gueule qu'on a sorti un jeu et qu'en fait on a fait bon tu sais quoi on va enlever les 25% du jeu on les sortira en DLC 6 euh, mois après quoi bon je caricature mais dans l'idée on est mm, pas loin hein, des fois mais Guild Wars et 2 ça fait 8 ans quoi Guild Wars 2, bah, pff, ouais, Guild Wars 2 euh, moi, ouais ça doit être moi j'y jouais J'étais à la fac de... <laughs> donc, euh, non, c'est après jouer au Guild Wars 1, peut je ouais, C'est ça, mais euh... le deux, ça fait quand même le... Le deux personnes. Ouais. Ça fait, ils ont 8 ans d'anniversaire dans le jeu. Tu si tu joues encore, euh, de... ça c'est de la longévité, ça très peu, mais des fois, ouais, J'achète <laughs> un des seuls jeux. Après, vais vais check, tu vois, ou quand il ouais. y a une quand j'ai du temps, quand je me dis, vas-y, j'ai une semaine de vacances, je vais tryhard la nouvelle mage, tu vois, je l'achète et pendant une semaine, je fais que ça, mais tu vois, parce que parce qu'il y a eu une nouvelle mage et en fait, elle était bien. C'est-à-dire qu'ils ont ramené des trucs, ils ont, ils ont vraiment euh, amélioré l'expérience de jeu. tu vois. Donc là, tu as une raison de mettre la main à la poche et aucun joueur va dire Mais bah non, euh, j'ai ouais. déjà acheté le jeu, je n'ai pas, pas de raison et de remettre à main la main. C'est même très parce que tu joues sur les mêmes serveurs que les mecs qui ont la mage. Donc tu vois des mecs qui ont des trucs que toi, tu peux pas avoir parce ouais. que tu n'as pas la mage. Tu vois, tu dis oh, Putain, les bâtards, la nouvelle classe, je sais pas quoi, les armes. Merci ouais. pour le sub. Merci pour les sub. Merci, merci. Oh, merci non, pour Merci. 61 De qui Guldorf. Guldorf. Allez, Xborg, merci. la 72. Wow. Goldorf, il est sympa. Il a gagné la carte unique. Euh, 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 une belle pièce. Euh, ah bah, ouais. il peut... Il peut, il peut, il peut ouais, euh, tu peux te permettre, Gof Goldorf. Faire des subs. Goldorf, tu peux euh... envoyer, mec. Hein. <laughs> 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 Merci beaucoup, que... en tout cas. Ta Fortnite en business model qui était bien, quand même. Voilà, bah voilà, C'est bizarre qu'on n'en a pas répondu, parlé de Fortnite, répondu ouais. Fortnite. Moi, j'adore ouais, Fortnite aussi. Euh, mais c'était, c'était pas ma réponse. Si. Fortnite. C'est pas ta réponse. Non. Mais c est, c est, je pense, business il faut vérifier les chiffres. Je ne les, les ai pas. Mais euh, League of Legends. J'aime ce qu'ils ont fait. Juste pour le côté, euh, ok, on a un jeu, comment on peut le faire euh, C'était un des premiers même sortir à sortir, bah, 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 de ouais, moi, faire de l'e-sport, de mettre un cash prize éclaté en e-sport. C'est-à-dire, ils ont tué le game avec leur cash prize. Ouais. Du coup, c'est devenu le jeu e-sport par excellence. Ils ont fait les worlds, ils ont mis une tune incroyable là-dedans, et du coup, ils ont eu, ils ont, ils ont dit, ok, à partir de maintenant, le e-sport, c'est nous. Et, et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait du Netflix. J'avais une question là, sur. Ça, merci, merci les gars, les petits ouais, à, merci euh, la beats. On ça sonne en permanence. On a du mal à s'entendre tellement. Ouais. Ça... J'avais une question sur ça c'est quand est-ce que League of Legends remplace le foot Quand est-ce que tu vas avoir des stades de mecs qui se lèvent en France et que, genre, que ce soit au même niveau bah, J'aimerais bien savoir ce qu'il a fait euh, Squeezie euh, sur ses. Ah, après, enfin, League of Legends, ce qui est bien, c'est que c'est dispatché dans le monde entier. Bien pas sûr. forcément euh, que ouais. la France. C'est un, un engouement de malade. Eux, ils ont tout compris à l'IP. Mmh. Ils ont développé leur normal. IP. Ils n'ont pas commencé par faire Arkane. Je ne sais pas si vous savez le budget que ça a coûté de arcane, faire arcane, arcane. Ça a dû, okay. était énorme. Combien, combien Balancez lancé un pas. chiffre ah, Je n'ai même pas envie de lancer un chiffre. Je suis sur le à côté. Au moins 10 balles, quoi. <laughs> C'est quoi, 10 millions du mal Non, non, je... <laughs> tu... pour... la, la, la milliseconde. Oh, on a 90 millions. C'est ouais. ouais, ouais, bah, ouais, bien. Ouais. C'est dur. Et là, il y a Arcane 2, la saison qui va sortir. Euh... Et alors, ils ont mis 6 ans pour faire la première saison. Là, ils ont mis 2 ans. Je peux vous dire qu'ils ont carburé. Et ils sont très contents parce que c'est pas, pas Netflix qui Comme ici. Fallout, là. Ça, la série Fallout, ouais, ça, pas, Tout le euh, monde a racheté ouais. du Fallout. Tout le <coughs> monde rejoue. C'est tout le ah ouais, temps comme cool. ça. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Quand tu as une IP, quand tu as une IP, lorsque tu sors. Un produit, un film, ou autre, tu régénères en fait l'IP. Harry Potter, mec, ça, je dire, ça a balancé. À chaque fois, tu rebalances le un peu. Que... C'est alors hein. meilleur succès ever pour la firme. 2,5 milliards de qui ont été générés. Sorti en mars 2023. En temps, tout, vois, alors, si tout le monde l'attendait. Tu avais eu des jeux merde. Je sais pas si tout le monde l'attendait parce que en fait, tu sais, c'est un studio indépendant qui l'a fait. Ouais, oui, il n'y oui, avait, pas, avait pas beaucoup d'expectations. Non, non parce qu'ils il n'en a... étaient pas leur coup d'essai, il y en avait des expectations ouais, depuis les, la GameCube, c'est wow, pas depuis wow, la Game. Merci. Ah, qui c'est qui, qui Qui Loupi, merci Loupi, merci. 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 Oui, merci. Eh les gars, là. je vais être obligé obligé de faire un palier à 200, je suis obligé de faire ça. <laughs> faut, faut on commence à rajouter les paliers. Non mais sérieux. <laughs> on Et, les et donc là, pendant, pendant qu'on parle... Eh, mettez-moi des idées de qu'est-ce que vous voulez pour 200. Mettez-moi un, chauffez-moi un peu. On trouve un truc que je peux vous offrir là pour 200. Comment on fait Qu'est-ce qu'on donne, celui qui fait, ça non, celui qui fait 100, comme. déjà on choisit. Et celui qui a fait 200, bien sûr... Ah ouais, oh c'est bien, c'est bien, c'est bien. On 100 abonnements 100 abonnements C'est qui comme pour 100 Mais ils ont trouvé preneur les 100 abonnements ah mais... Sans euh... abonnement, bon... Wow. Bah oui parce que du coup... Euh, T'as fait quoi Il y a combien de personnes y du coup dans 180 160 180 bon 182. <laughs> bon, Attends, bon, il est sur ça non C'était quoi C'est a... un truc... C'est dans les 200, on va Bon ah ouais. Zara, merci. Hein. Zara, non, je... tu fais chier, mec. Franchement, c'était pas bien. T'aurais pu attendre un petit peu. Là, t'aurais pu attendre un petit peu. T'es en train de me gâcher ma surprise. Bon, allez, on fait un troisième palier pas... à 500. On n'a pas passé <laughs> la première heure. On n'a pas passé <laughs> la première heure. Attends, 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 mais là, 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 je sais pas ah, ce que ouais, je vais faire. Hein. Ah oui, c'est ça. Zara, tout tout 500, Zara ouais, tous. Zara tous. Ah, mais non, mais c'est parce que t'as lancé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous laisse mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour le 200 et pour le 500 et lâchez-vous. Lâchez-vous. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Allez-y. Il y a Roca, il va arriver, il va offrir 200 subs. Non, non, mais tu vas voir. Mais franchement, toi, t'as eu 100, toi, t'es pas mal. 100, ouais, frérot. Legacy Mint Pass. Beau jeu, beau jeu. Legacy Mint Pass C'est un truc Tu veux un Legacy Mint Pass Attends, attends, je réfléchis. Combien de temps j'ai réfléchi Tu veux un Legacy Mint Pass Un Legacy Mint Pass, ça s'achète à 2000 et quelques dollars. C'est jouable. 39 000 Tissel. Tissel. Tricelle, tu 39 Rachète-moi ma carte unique. Non, non, mais les gars, les gars, arrêtez, arrêtez, arrêtez <laughs> avec achète-moi ma carte unique. Deux secondes. J'ai dit un cadeau. J'ai pas dit rachetez-moi à... <laughs> 39 000 tricelles. <laughs> J'ai pas dit ce que mon exécutif dit. Tricelle, 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 On peut, peut mettre P du gaz. Alors attendez. Du ça, ça. Je note tout ça et j'essaie de faire des cadeaux en conséquence et on essaie de les mettre dans un classement. Donc on a dit 100. Pour le 100, déjà, on a dit on le fait venir à Marseille. Tu viens à Marseille, on s'occupe de toi toute la journée et. Et on te fait tester euh, Rise, Pas mal, non On te fait ah, tester le nouveau ça. jeu. Tu vois, et, et ouais, ça peut être pas mal. Et c'est quoi, tant qu'à faire, tant qu'à faire, on va faire un truc pas mal. On va faire, euh, on a dit 100, 200 et 500. Donc euh, 200, 200, on fait venir deux personnes comme ça. Et pour les deuxièmes, on augmente la mise, on vous habille. On vous habille en mode city, cargo, on file les ça tenues, bien. C'est vrai, vrai que vous avez des trucs lourds. On fait un truc pas mal. Ça, c'est bien. Et 500, oui. je, je compte sur vous pour m'envoyer un truc méga lourd 500. On se dit, mais là, laisse tomber, là, c'est un truc de fou. 13 SRC, ça te demande plein de trucs. L'arc LS Foil de Samy Non, je pas d'arc LS Foil. Je vous jure, j'en ai pas. Je n'ai l'ai pas encore. Non, non, j'ai pas les moyens, moi. Euh, t'as des assets dans cross qui se sont vendus à plus de 160 000 balles. Putain, ah t'as ouais. des trucs, c'est méga, méga lourd. C'est les, les fameux Golden, Golden Legacy. Golden. T'as les cartes uniques et là on va on va... Là les gens vont être très contents de, de garder leurs assets. Et euh, ouais, c'est pas mal. On aura, euh, on aura le, les noms des gars après pour Ouais, on les leur... contactera, qu'on fera un truc au propre, on leur enverra un message. Ouais, à il bien il a sûr. tout Il a tout, il a tout. Allez, go. Il il a tout. Je vais juste revenir sur un truc par rapport à ça. Tu disais, tu vois, à chaque fois, l'IT, ça, ça, ça va, ça refait venir acheter, etc. Mais en fait, même ce que les gens ne comprennent pas, c'est que dans, 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 dans l'opinion publique, il y a des idées, en gros. Notre cerveau, on a des chunks. On se réfléchit à part chunks, ça va de 3 pour les plus petits à 5. Mais ça ne veut pas dire qu'un mec avec trois chunks n'est pas intelligent parce qu'il y a une profondeur des chunks dans le cerveau. On va dire trois chunks, c'est trois items mentaux que tu peux avoir et que tu fais des décisions avec ça dans toute ta vie. Et donc du coup, si tu prends euh, les relations publiques et l'opinion publique, et ben, en gros, tu fais la moyenne des chunks que tu as euh, dans l'opinion publique. Et en fait, euh, c'est ça qui est intéressant euh, quand, on, quand on parle de la presse, etc. Mais alors, je, je prends l'exemple de la presse, mais après, vous allez voir où je veux en venir. C'est qu'elle ne dit pas comment penser. La presse, mais elle dit très bien à quoi penser. Oh, oui. On a un biais cognitif qui ouais. est que quelque chose euh, qui est immédiat, quelque chose qui est sur l'instant, est plus important que quelque chose qui arrive après ou avant. C'est-à-dire, euh, l'attention égale l'importance. Donc là, rien que par exemple avec euh, <coughs> le. Et on a un super exemple en plus ce soir dans ce studio. Euh, avec le, le, le tube de l'été qui sort là, qui euh, où il, où il parle de Madère, je sais plus comment ça fait. Je peux te dire que tous les vols Madère et Madère ne sera jamais autant bouqués que cet été-là parce que on en parle. Dans cette, dans cette musique. Et donc, du coup, ça, ça dit très bien aux gens à quoi penser. Donc, ils disent Oh, ben, pourquoi j'irai pas en vacances à Madère Non, mais c'est des inceptions permanentes, mais bien tu sûr. Mais Et donc, bien donc bien avec le jeu vidéo, long. bon Fallout, c'est pareil, etc. Et le régisseur, lui, voilà, la semaine prochaine, il part en vacances à Madère, alors qu'il n'y a jamais été, tu vois. <rire> il <rire> va ouais. pas le THC. Ouais, voilà putain ah. c'est vrai qu'il fallait réviser la neuroscience, toi Carbone, ouais, déjà. <laughs> <laughs> non, non, mais. mais... C'est pas mal, c'est bien, c'est bien, bien, ça m'intéresse. Et donc, du coup, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est. Tu dit très bien à quoi penser. Donc, dans Fallout, ben bah as Fallout, tu le vois partout dans les abris-bus et tout. En plus, tu il suffit qu'il y ait un peu rejoué. Tu te dis, bah, j'ai passé du bon moment, vas-y, on y va, nostalgie, boum. Ben voilà, et, ouais, et même, j'ai vu qu'ils allaient parler. Barbie. Ils étaient sur un autre jeu, je crois, mais sur je sais plus sur quoi. Euh, et, 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 ils, et ils se disent, ils vont pas justement faire un nouveau Fallout au final. Mais bon, je pense que là, il va être passée parce que pour développer mmh. un Fallout qui ne va pas décevoir les gens. C'est vrai que Samy, tu parlais de vases communicants, mais c'est vrai que sans jamais avoir été fan de Fallout, j'ai euh, mon YouTube, euh, YouTube Short qui me propose toujours euh, des anecdotes sur Fallout. Oui, ouais, bien ça, sûr. J'ai pas joué au jeu. Je, 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 puis, puis, de toute façon, je bloque tous mes cookies et tout. Et ils n'ont aucune raison de savoir ça, quoi, ce qui m'intéresse. Mais ça m'envoie du Fallout tout le temps. Quoi. Ça... Moi, je voulais, je voulais revenir sur GTA, parce qu'il y a quand même eu des rumeurs. Est-ce que vous pensez que dans GTA 6, il y aura de la crypto, de la blockchain Et à quoi ça ressemble un GTA 6 avec de la blockchain deux questions différentes, ça. Moi, je pense oh. pas qu'ils l'offrent. Tu vas me mettre une claque, je chaos sur place. J'ai toujours fallu filmer mon expression. <laughs> euh, bon, déjà, il faut savoir que euh, rentrer dans la crypto pour un éditeur de jeux vidéo, c'est très chaud. C'est genre, euh, c'est une prise de risque exceptionnelle. Non non non, 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 non. C'est c'est la position qu'ils prennent hmm. et la position où ils se faire défoncer par les gens du web, genre scam, tout ça. Bah oui. C'est pas c'est pas personne. Là, il y a eu un jeu, donc euh, Champion Tactique, qui a été fait donc, par Ubisoft, qui est baqué par Ubisoft, mais Ubisoft ne dit pas c'est moi. C'est l'équipe de Ubisoft qui l'a fait. Et ils ont commencé il y a un moment, il y a un long moment. Belle expérience de jeu, c'est les premiers à avoir bougé, mais tu peux être sûr et certain que les gens ne vont pas dire euh, crypto, non, non, non. Pour l'instant, il n'y a pas d'itération qui peut te permettre de faire ça. Donc, euh, de dire que demain, tu as un truc qui est crypto, perso, j'y crois pas. Je peux me tromper. Surtout Rockstar. Regardez, vous les avez pris en exemple tout à l'heure pour parler d'un studio de qualité qui sort des trucs rarement, mais des trucs bien. C'est pour dire ils mettent tellement de temps que si le prochain, c'est dans 10 ans, ils auront loupé la vibe. Prochain en 2025. Le prochain, il sort en 2025. Oui, enfin, je veux dire le prochain. Le prochain, prochain est là. là. Putain, mais mec, Bah voilà. Alors, à quoi ça ressemble maintenant à quoi ça ressemble un, un GTA avec de la crypto En vrai, à, à, quoi à quoi ça ressemblerait À quoi ça ressemblerait je sais pas. Peut-être que, peut-être que tu, tu, pourrais te dire que il euh, faudrait trouver le modèle économique pour, mais ce que tu récupères en fait dans le jeu, il y aurait une, une possibilité en fait d'en garder une partie. Le, le ouais, goal le que tu as, qui va de, 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 de le sort de convertir, ouais. ou par exemple de gagner certains objets qui seraient en fait, euh, que tu pourrais transformer en NFT en payant, bien sûr, et où tu aurais ouais. une place de marché. Une voiture, par exemple. Des voitures, tu peux récupérer des, des, des skins, tu peux récupérer des armes. Tout ça, en fait, que tu pourrais transformer en NFT. Des produits rares, bien sûr, et après avoir une place et de collab marché. Des avec vraiment. des vraies marques Ouais, moi, Donc, je, je, je Tu as je, la Ferrari que tu as ton garage dans le jeu Je la vois bien plus ça, comme ça. Ça, c'est pas mal. C'est possible. Je pense qu'il y a un jeu, un jeu, un jeu qui sort, qui serait hors du commun, si demain eux ils le font c'est game changer et c'est le jeu qui à mon sens mériterait de devenir enfin euh, euh, NFT de to... chaîne, ouais. Fortnite Ouais. Bah, ils le font déjà. Enfin, c'est pas qu'ils le font, mais et ils prennent code, les codes. Voilà. ils font les codes. Ils, ils les codes. font, les... ils font tout. Ils ont tout pour. Ils ont tout pour. Ils attendent si le moment peut-être. Le moment. Je sais pas, mais si eux, ils font avis, ça. Déjà après. Si, si 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 ouais, ouais. ils sont prêts. S'ils ouais. si appuient sur le bouton il et qu'ils il, envoient, compte, c'est bon, ouais, ouais. c'est game changer. Dès que la statistique passe à 51% favorable auprès des joueurs, ils je appuient sur le bouton. Je n'entends plus les subs, les gars. Vous vous êtes arrêté à 182. Des, des, <laughs> des, de des, des, des subs des et Rockstar sur en jeu web pro. Pour ceux qui viennent d'arriver, <laughs> ça fait 1h10 euh, qu'on a commencé, j'espère que ça vous plaît. Il y aura un replay, bien sûr, et bien vous bon. pourrez voir en fait, toutes les personnes qui ont payé des subs, c'était pas mal. Et, et, et pour la petite anecdote, en il fait, y, 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 avait, y avait des paliers, mais maintenant il y en a, 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 a plein, il y en a, a trop. Il y a le palier à 20, il y a le palier à 30, il y a le palier à 50, il y a le palier à 100, il y a le palier à 200 et le palier à 500. On a déjà annoncé que le 100 et le 200, ils viendraient à Marseille, ils seraient... Défrais, donc on va payer le défraiement pour, donc même si tu payes 100, au final c'est rentable pour toi. En plus de ça, on t'habille, euh, on t'habille donc euh, en mode Cross the et on te fait tester avant tout le monde, e Rien que pour ça, franchement, vous pouvez y aller, vous pouvez balancer. <laughs> et le 500, peut-être qu'on le fera venir et on rajoutera un truc très 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 très, très lourd. Qui sait peut-être le faire venir sur un événement avec nous, euh, le faire, lui faire euh, les coulisses en fait et lui expliquer un peu comment ça se passe et prendre en charge un déplacement avec nous. Euh, D'une personne de la communauté. Donc voilà, chauffez-vous les gars, ça peut ça être pas ça mal, fait. ça peut être sympa parce que il y a plein d'alphas, plein d'infos croustillantes qui vont être balancées ce soir. Et encore plus quand vous êtes avec nous parce que apparemment, je ne tiens pas ma langue. Dans le chat, il dit je préfère qu'on me déshabille. Plutôt qu'on me ah, qu le déshabille. C'est le même, le même déshabille. Alors, ouais, les <laughs> <c 'était, ouais. rire> bon les gars, tranquille. Il hein. <laughs> ouais, y a des gens qui disent c'est vrai que c'est encore trop mal vu, mais si Trump passe. Ouais. Et euh, commence à faire de la mass adoption sur les cryptos, etc. On était donc aux États-Unis. On était donc aux États-Unis. Et donc là, il y a toute l'attention qui est donc, euh, sur le débat donc, euh, Trump et, et Biden. Contrairement à nous en Europe, eux, c'est tout le monde est crypto, tout le monde est bitcoin maintenant. Tu vois et c'est vrai que hein, ça va vraiment aider pour la suite. Cette ah ouais. partie-là, elle est, elle, est, elle est plus que positive. Le jour où c'est plus mal vu, pourquoi pas en fait, oh ouais. Nous, on est en mode Mikado, eux ouais. ils sont en mode Mikado. 2. <laughs> c'est pas mal. Elle a préparé celle-là Non, je te jure, c'est <laughs> l'impro. <cool>, <laughs> ouais, t'étais euh, à Miami, là, tu me disais. Donc, eux, pour eux, c'est un vrai enjeu, là, pour les élections. C'est vrai que ça fait plusieurs... Euh... News qu'on traite pour contre pour etc. Ah, c'est ah, maintenant vrai vrai sujet ils quoi. Ils quoi. sont plus ou moins tous pour maintenant même même chez Biden ça je crois que ça s'aligne. Hein. Ah ouais. De enfin je pas. Bien j ai, j ai sûr. Mais non ça, mais merci. Merci pour le sub. Merci. Qu combien ça coûte de développer un jeu vidéo <laughs> Entre 0 et euh, 200 millions. C'est quoi <laughs> quel type de jeu Je sais pas ce que on va dire ce bah, bah, que tu imagines. Crossy par exemple. Un jeu. 2D, 3D. Alors. Tu veux commencer Ouais, on parlait de triple A tout à l'heure, ouais, on a pris je... en exemple, tu vois des Helldivers, des, des, des jeux comme ça, vraiment, où tu fais un one-shot, tu vas bosser dessus, quoi, 4-6 ans, tu fais un beau jeu, euh, tu vas faire des mécaniques euh, correctes et tu vas mettre la moitié du budget dans du marketing. Tu, tu te retrouves avec des budgets entre ouais, 60, et 150 millions. Quoi, la moitié, c'est le marketing Ouais, ça dépend. Il y a des jeux qui coûtent ouais, beaucoup, très cher en marketing, ouais. dans, dans ce qu'il dit, enfin tu vois, tu prends... Après, qu'est-ce qu que tu mets dans le marketing aussi, tu vois Bien donc, sûr, Destiny, des c'était 150 millions ouais. le budget pour un Destiny. Ouais, De ouais. marketing Non, non, tout. tout. Okay. Non, non, tout. tout. Donc, okay. tout. Destiny, c'est une tuerie. C'est oui, oui. cher d'ailleurs. J'ai jamais jeu? joué à Destiny. Ouais. Je pense que, enfin, euh, je pense que Cyberpunk, ça largement overpasse les 200 millions, ça a été vraiment un jeu méga lourd À l'époque, c'était GTA V, mais bon, GTA VI va coûter beaucoup plus cher. Euh, en gros, en gros, en gros, en gros, quand, quand on commence une expérience de gaming, nous, nous on savait qu'on allait lever de l'argent. On voulait en fait un euh, développer, ne pas qu'un jeu. On voulait développer donc, tout un univers. Donc, c'est-à-dire une narrative. Donc, tu as tous tes écrivains qui vont écrire ton histoire et ainsi de suite. Tu vas avoir la bible euh, visuelle avec tous les artistes qu'on a fait venir de chez Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars, Marvel, DC Comics, ouais, qui ont du lourd. Eux, ils ont signé sur 10 ans, comme les écrivains. Donc ça, c'est du récurrent que tu vas payer. Derrière, tu vas avoir, euh, tu vas avoir donc, ta team qui va développer. Un jeu de cartes à collectionner, ça reste raisonnable en termes ouais. terme de coûts. C'est des projets en fait, qui vont te coûter euh, le salaire en fait, de toutes les personnes. Tu prends le burn rate plus euh, les serveurs. Euh, ouais, les serveurs euh, donc le lore te coûte aussi cher que la technique. Le lore va te coûter, ouais, facile facile Parce que, euh, à côté du lore, en fait, tu dois faire, euh, tu dois créer en fait de l'émotionnel. Pour créer de l'émotionnel, tu dois faire en fait euh, des, des films, enfin euh, des trailers d'animation. J'en dis, mais pourquoi tu dépenses de l'argent en faisant des trailers d'animation Je dis, mais parce qu'en fait, tu dois créer en fait un visuel pour que les gens en fait comprennent euh, de, de quoi faire tu parles. Passer, ce que tu veux ouais. faire. On a fait trois trailers là, on sort le quatrième dans pas longtemps. Donc, le premier, c'est la saison 1, donc euh, qui nous a pris euh, 11 mois, 17 mille heures tout en 3D. Euh, en mode quasi, enfin euh, un peu comme Arkane à savoir qu'on ne voulait pas les copier. On avait commencé avant que la série sorte, je vous jure, c'est vrai. <laughs> euh, c'est pas une blague. Le deuxième, il est, il est en animé, euh, pas mal, bon trailer, euh, plutôt bien fait. Troisième, il est en, en réaliste. C'est pour euh, la collaboration Watchdog euh, Cross the Ages donc un mmh. crossover. C'est celle de haut, les trailers de haut. C'est un mode très réaliste. Quoi. Très réaliste, exactement. Ouais, Là, on sort un, un quatrième trailer qui fait 4,47. C'est un court métrage. Le trailer du riff, ah ouais. c'est euh, un, un film d'animation. <laughs> c'est bien un trailer. Du bon trailer franchement, c'est une claque. Hein. Je t'ai dit, de tout ce qu'on a fait, c'est le plus haut qu'on ait jamais fait. Tu euh, passes par quel studio pour ça? nous. Ok, vous voulez. On avez router, etc. Vous avez tout, tout, énormément d'artistes. Franchement, ouais. la, la moitié de la team, c'est les artistes et l'autre moitié, c'est des devs. Et tu as, un as, as une partie de marketing. Okay. On a 70 personnes CDI à Marseille. Et après, tu as 10 personnes, 5 personnes qui sont au Japon. On a ouvert le Japon le mois dernier. 4 personnes qui sont à Dubaï et 2 à Singapour. C'est vraiment c'est tout le monde à la maison tout le monde fixe on a un partenaire au Japon avec qui on fait les films d'animation avec qui on bosse qui ont bossé sur ils ont bossé sur Attack des Titans sur Vinland Saga ils ont bossé sur là ils ont, ils ont bossé sur Demon Slayer okay. voilà donc c'est vraiment du du méga lourd Oka qui il est incroyable vous êtes pas prêt ah ouais, ouais, ouais Roka, Roka vu. Roca l'a vu, vu, parce qu'en fait on l'a, la, on la a présenté, euh... ah, Roca il, il a les news, Roca c'est le méga pote, mm. euh, un gros coucou à Metafight au passage. Euh, ouais, on, on était au festival d'Annecy, et en fait on l'a présenté au festival d'Annecy. L'idée en fait c'est, c'est en plusieurs étapes, c'est de, de pouvoir en fait préparer le 1h30, cross the ages 0, qui raconte en fait 20 ans avant l'histoire ce qui s'est passé. Ça, ça sera en animé, donc euh, du mass market. Et c'est un projet donc, qui dure une heure et demie. Donc tu as, as, as tous les, les, les publishers, euh, les plateformes, en fait, à qui donc, on te présente. L'idée, c'est de savoir avec qui on va aller, quel avantage on fait avec l'un ou l'autre. Ça prend à peu près un peu moins de deux ans, en fait, pour le faire en entier. On a commencé déjà le travail de pré-prod, c'est-à-dire euh, scénariser avec les écrivains pour qu'il y ait du sens, de la cohérence. Et depuis le premier jour, premier jour... Cross the Edges a été créé pour être une saga une série. Une série en sept saisons. pour ça qu'il y a sept bouquins. Enfin, ça a été fait pour ça. Donc, Et ça, avait... c'est pur marketing Non. Pas du tout. En fait, c'est pure vision. En gros, en, 200 en, 000, en, 000, ouais. en 2000, j'en parlais avec Equisef, avec qui on était là. Je veux dire, en 2020, quand j'ai commencé le projet, on a fait en fait une roadmap avec 120 points. Les 120 points sont toutes les étapes de Cross the edges, de où est-ce que ça, ça, ça commence et où est-ce que ça finit. On fait un livre digital, une fois que ça marche, on fait les téléchargements, on traduit en différentes langues, une fois que ça marche, on le fait en physique, une fois que le physique est fait, on fait aussi les trailers parallèlement à ça, on crée le comics, une fois que c'est fait, et tous les points de merchandising. Chaque événement doit arriver à un certain moment, et il faut en fait valider certaines cases. Tu peux pas en fait faire un... Tu peux pas sortir Rise, tu peux pas sortir un, euh, un... un MMORPG si la Bible visuelle n'est pas finie. La Bible visuelle, il nous a fallu deux ans pour la pêcher. Et donc, du coup, en fait, tu as, 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 as une temporalité et tout se fait dans l'ordre. Et tu commences par un jeu de cartes à collectionner avec une expérience qui va être cool, qui va être bien, mais qui va en fait donner, on va dire, un intérêt pour découvrir, pour collectionner les cartes et pour rester. Et en fait, ce. Jeu de cartes à collectionner, au fur et à mesure, on est en train de l'alléger, le simplifier, le rendre de plus en plus accessible. Il y a une, une mise à jour là qui a été faite. La plus grosse mise à jour de, de Cross the Edges, pour ceux qui écoutent, euh, elle, est, euh, elle est annoncée, donc elle sera prête pour, 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 pour septembre. Euh, il y a énormément de points qui vont changer euh, sur le jeu. Euh, le travail il a commencé déjà depuis l'année dernière. On a pris en considération tous les retours qui ont fait que les frustrations que les gens pouvaient avoir sur le jeu. Euh, le jeu était, était bien, là il va être très 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 bien, et il va être vraiment accessible à, à, à beaucoup de monde, donc euh, euh, on a préféré ne pas faire trop d'annonces, là c'est un leak que vous avez, hein. personne n'est au courant de ce que je vous balance là, euh, c'est la S25, c'est la, la, la mise sub. jour ouais, 25, ça mérite des subs, eh, les gars, ça mérite des subs, là j'ai balancé des trucs <laughs> euh, le chauds, il euh... y a pas de il <laughs> n'y a personne pour me... donc euh, balancer des subs, et peut-être que je vous raconterai des trucs euh, sympas <laughs> Le liqueur, fou. Une, hein. le, liqueur. Le, liqueur le liqueur fou. fou Il ouais. <laughs> y a combien de personnes là en live On est 63 là. 60... Eh, 63 à 104. Oh, C'est beau. C'est bien pour un vendredi soir hein, de match. C'est beau. Hein. De ma... <laughs> <laughs> hey, Ramenez-nous ramenez des gens. Je sors le peu. sel un peu. <laughs> Ramenez-nous un peu des gens là. Mettez un peu le lien là sur Discord, Twitter, sur tous nos réseaux. Ramenez un peu des gens. Ah, C'est Les replays. Replay, merci les en tout vous... cas pour euh, tous okay. les subs que vous avez mis. Ouais, merci, merci infiniment. D'ailleurs, je voulais revenir du coup sur. On a une petite vidéo. Parce que vous avez dit non, j'étais assis, ils ont pas d'intérêt à y aller dedans, ils vont se manger, etc. Tu me sors un trailer que t'as as hacké, tu non, sais qu'ils vont non, partir, j'étais assis, non, avec à... dedans. C'est notre je... équipe russe qui a dégoté ça. Je crois pas. pas. Non, non, c'est pas vrai. C'est un extrait d'ailleurs qu'on avait déjà passé euh, une dans une des premières émissions où il y a des mecs qui trash talk un peu le, le Web3. Ouais, C'était sur le plateau de jeu... jeuxvideo.com. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer. C'était à la sortie de Tom Clancy. Vous en avez parlé tout à l'heure, non Tom Clancy avait sorti une première collection NFT. Bah, bah bon, allez merci. Chico -grave, allez. Merci, eh merci. Ben on a déjà déjà le les lent. deux premiers deux paliers sécurisés les gars maintenant c'est le palier de 500 qu'il faut allez. gérer. Allez, allez, merci merci les gars. beaucoup vous merci gérer. beaucoup les gars 204. Du coup je vous oh. laisse regarder la vidéo donc c'est il critiquait euh, Ubisoft qui s'était lancé dans les NFT donc c'était il y a deux ans ils avaient sorti des casques numérotés et ça critique. Je vous allez, laisse plus que regarder 295 la vidéo. les gars on continue. On y arrive Un truc qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo dans le hey, jeu vidéo. Julien et je trouve ça. <laughs> la... c'est de la merde quoi. <laughs> bah, c'est <laughs> <Mais c 'est rire> tranquille mais putain pourquoi mais, tu mais pourquoi pas tout le temps, tu mais... veux pas de un casque mais... avec marqué 00018 non, 000 non, <laughs> pour moi toutes ces histoires de Bitcoin, de NFT et tout dans l'industrie du jeu vidéo, je mais que laissons que... ça. Aux éditeurs et aux boursicoteurs, mais c'est le rapport éditeur. dans un. Oui, mais oui, mais c'est pour les joueurs. Le but, c'est pour les joueurs. Le but, c'est faire du pognon. Bah oui, et donc le but, en fait, faire du pognon. Exactement. Et donc ça veut dire qu'en fait, on va utiliser le jeu vidéo pour encore une fois essayer de gratter de la thune ici et là. Et où est le cœur du jeu vidéo où est... où est la narration, où est la, narration où est la mise en scène Où est la compétition Etc. Alors maintenant, on va me dire c'est une compétition économique. enfin je veux dire, pour moi, ça visse le truc. De manière phénoménale. Et on fait, va se retrouver avec des gens qui vont être là avec leur skin à essayer de le vendre, leur vendre revendre, le bidule. Putain, au lieu de faire des parties, des games. Au lieu de faire des bons jeux pas buggés. Mais putain. On quoi. Si on mais les ça, va, ça va apporter une nouvelle catégorie de joueurs entre guillemets, c'est ceux qui voudront spéculer oh, sur le truc en se disant, Dieu. je vais me faire une fortune avec. Mais euh, que... pas vraiment. Mais, ah, non, mais, mais dans ça, va, va, Je ah. pense que je pense qu voilà. Putain, mais j'aime bien Julien, mais qu'est-ce qu'il dit de la merde, ça je te dis... Après, il <laughs> Après, faut replacer dans le contexte. Non, mais même, c'est pas ça. Tu parles d'un truc deux, deux ans. Tu parles d'un truc en fait que tu ne connais pas. Oui, bon, clairement, déjà. Déjà. À la limite, mais il est euh, ça. C'est connaître. Il, il, ouais. il parle de Bitcoin avec. Euh, il te parle de jeux Bitcoin et ainsi de suite. Il commence ouais. la phrase. Ah. Il, a, il a, il a, déjà fini le point. Je trouve que c'est dommage parce qu'en en fait, c'est exactement ça le truc, c'est que tu as trop de gens qui diabolisent le Web 3 quand vraiment. Je ne suis pas un maximaliste Web3, mais, mais merde un peu, enfin, les opportunités que tu as dans le Web3, elles sont uniques, tu ne les as nulle part ailleurs. Alors oui, c'est vrai, on n'a pas encore trouvé la, la, formule, la meilleure formule, on n'a peut-être pas la, la, la meilleure itération, et on essaye tous de trouver le moyen, mais euh, enfin, c'est révolutionnaire. T'imagines, tu, tu dis aux gens, c'est à toi. Et tout à l'heure, on va vous parler un petit peu de ce qui arrive là dans le Cross, c'est à toi, c'est à toi. Fini le couillonnage, c'est à toi, ça t'appartient. Mmh. Et, et je sais que tu vois aujourd'hui, il y a des mecs qui sont très contents d'avoir pu vendre leurs assets, de pouvoir ressortir d'un jeu en disant mais j'ai mis du temps, j'ai mis de l'argent, j'ai récupéré ma plus-value, je suis joueur investisseur. Il y a aucun mal, y a aucun mal à taper, tu vois, sur les gens. Et, et voilà et et... surtout qu'avec les cartes, c'était ça. C'est ça le but, fait, truc je sais déjà pas. de trading. Ah, Magic, euh, Magic a... a... Gathering, ça a toujours été mais ça. Y a un un qui... Qui... Magic, ouais. Après, il y a un mec qui lui ferme un peu sa gueule. Il lui dit ouais, mais sur Counter Strike, c'est déjà le cas. Oui. Les, les le loot box, box bref, et les machins, il euh, y a des mecs qui skins. font des. Après, en fait, c'est <coughs> juste quand ils entendent monétisation ils entendent euh, je paye pour quelque chose qui n'améliore pas mon expérience de jeu. Parce que les, le modèle des jeux classiques là, c'est j'achète mon jeu, j'ai mon jeu, derrière, c'est de la microtransaction, c'est du skin, c'est ouais, de la, ça c de la customisation, mais ça t'améliore pas réellement concrètement ouais. ton, ton expérience de jeu. Là où je pense, où il passe à côté du, du point, c'est que quand tu possèdes réellement une partie du jeu, et je parle pas de mettre trois skins, il y a aussi tout un truc qui peut être. Plus intéressant derrière le, la collection sur Crossy Ages, c'est toute une, euh, tout un développement, tout un travail que tu vas faire sur ta collection, de la même manière que tu vas le faire sur un, sur un, sur un Magic. Donc, tu as, euh, as un truc en plus que tu peux apporter aux gamers qui peut augmenter son immersion en fait qui va être là pour le lui donner un petit truc en plus tu vois c'est pas forcément c'est pas forcément le skin aussi mais tu peux faire tellement plus l'appartenance aussi tu peux faire tellement plus tu sais comment s'appelle tu quand aujourd'hui tu mets une photo de profil et que tu mets un ape tu montres ouais il a mis combien combien bravo bravo les gars plus que j'ai subs avant d'avoir la méga surprise on sait qui c'est là on se rapproche on se rapproche ouais grz merci approche merci. ça <laughs> fait, fait matima moi perso ouais. mais il, il devait être gêné il s'est dit comment je mets pas de sub moi ouais, euh, je mets pas de sub moi je suis un bloc je mets pas de sub Allez. <laughs> euh, du coup euh, ouais en plus il s'arrête sur vraiment le, 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 la pr toute première utilité de la blockchain c'est à dire de donner de la rareté à un item c'est vraiment la première chose et du coup par, par extension de pouvoir l'échanger il s'arrête juste là mais ce que disait Samy tout à l'heure, en termes d'interopérabilité c'est aussi quelque chose euh, qui va améliorer l'expérience de jeu, qui va améliorer les jeux aussi, parce qu'aujourd'hui un, une licence, on, on en parlait tout à l'heure, ils ne prennent pas trop de risques finalement parce qu'ils peuvent péter leur licence ouais. d'un jeu sur l'autre, que si tu récupères certains assets, alors je ne dis pas qu'il faut foutre des NFT partout, tu vois, mais si tu as euh, de la rareté si tu as du track record en fait de ce qui s'est passé avec ces items là, tu peux l'introduire dans le lore tu peux faire des éléments vraiment de gameplay, des éléments de roleplay qui vont venir apporter l'immersion aux, aux items. Tu vois, aurais une raison d'avoir cet item-là parce que tu connais son histoire. Tu, tu prends euh, euh, la légende les légendes arthuriennes, Tu vois, bah si tu fais qu'une seule épée et que tu sais à partir où qui l'a eu et à travers les âges, à travers les jeux. As un truc qui va t'améliorer l'immersion, tu l'as ta pépite là que tout le monde va vouloir essayer ouais. d'avoir. Tu vas, tu vas avoir le meilleur joueur du monde qui va être celui qui va être détenteur de ton Excalibur, tu vois. Mmh, mmh. Et, et ça, c'est plein de, 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 de mécanismes qui sont en train d'être pensés. Il y en a, il y en a qu qui sont pas mis en place. Il y en a qui passent par des technologies qui existent, enfin qui sont en train d'être développées, des mises en séquestre euh, qui, qui peut être bloqué dans des capsules temporelles. Enfin, tout ce que la blockchain permet, la fragmentation, de faire, la fragmentation tout ça. Tout, tout ce que la blockchain permet de faire et permettra de faire très facilement avec de l'occount abstraction, donc avec une facilité d'accès pour tout le monde, euh, d'ici quelques années, c'est des choses qui vont améliorer l'immersion. Ce pas des choses qui viennent, qui viennent taper de l'argent joueur. En réalité, aujourd'hui, si je veux vendre un skin, tu le vends en, en euros et c'est exactement la même chose. Que toi, tu l'aies mis en NFT ou pas, euh, tu as pris de l'argent joueur. Mmh. L'intérêt, c'est ce que tu en fais. Ouais. Et en fait, en faisant ça, en faisant de NFT, tu t'engages finalement auprès des joueurs à dire, mais c'est une licence, puisque je te donne un bout d'un truc. Et il y a de la, vraiment de la. Dans, dans 10 ans, il existe encore. C'est-à-dire que y a, tu, ce que tu distribues, finalement, ça fait partie d'un tout, ça fait partie d'une IP que tu développes. Donc tu prends un engagement qui est plus fort en réalité auprès du joueur que simplement lui vendre une lootbox. Parce que tu as lootbox, tu peux mmh. lui dire en prochain jeu, il n'y a plus rien puis c'est terminé. Genre. Je veux bien, tu vois, en... merci pour le sub, merci je veux bien les les en 2022, enfin en 2021, quand il y avait donc euh, la, la génération Axie Infinity, il oui. y avait un barrage là, là tu devais loin. lâcher de la thune, tu devais lâcher l'équivalent de 1500 balles pour pouvoir avoir tes, tes, tes petites créatures. Ce n'était pas du free to play, mais franchement, à partir de 2022, donc, parce qu'il y a deux ans, la vidéo, tu commences à avoir de plus en plus d'expériences où c'est gratuit. La plupart des jeux aujourd'hui, ouais. enfin, c'est pas des jeux que tu vends, hein, c'est des jeux gratos. Tu commences à jouer, t'as donc ces microtransactions que tu vas avoir. Tu forces pas les gens, tu leur dis pas, t es, t es obligé de. Alors bien sûr, comme tous les jeux vidéo, enfin, vous avez joué à des jeux mobiles, tu sais très bien que ta progression elle a accéléré comme tous les jeux quand tu, tu mets de l'argent. La grande différence c'est qu'aujourd'hui, quand tu joues à des jeux je suis désolé, tu mets de l'argent, tu ne récupères rien. Alors, tu mmh. as, as, as du plaisir, tu joues à FIFA, tu vas avoir tes cartes, tu es content d'avoir chopé tes cartes, d'avoir paqué tes cartes, mais tu n'as rien, rien du tout. Mmh. Là, tu as quelque chose qui potentiellement vaut de l'argent et si ça marche bien, si c'est bien pensé, tu ouais. peux en valoir beaucoup plus euh, plus tard. C'est que la première étape, c'est vraiment que la complètement, première étape, complètement, complètement. Tu parlais de énorme. wallet abstraction. Euh, ouais. C'est quoi les grands points de friction aujourd'hui, mis à part la mauvaise image qui empêche bah. les gens de venir euh, sur votre jeu, euh, sur ton jeu, Samy aussi. En réalité, c'est ultra compliqué aujourd'hui d'avoir un wallet. Ouais, parce que nous, on, ouais. on connaît, on est dedans et tout. Et finalement, c'est devenu un peu, un peu facile, tu vois. Vous le mettez en mais... avant dans votre com ouais nous, enfin, ouais. là pour le moment, le... on n'est pas à la même étape de production, si tu veux, qu'un que cross-diagés. Euh, en, en gaming, on dirait qu'on est sur du vertical slicing, on est vraiment sur des, 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 des snapshots de ce qu'on veut okay. vraiment construire. Là, il y aura une pré-alpha qui va être bientôt. Je, je crois que la date a pas été leak donc je ne vais, vais pas faire mon sami et pas liquer la date. Allez, vas-y bientôt. bientôt. Lâchez des subs, il va balancer un peu. Je pense, <laughs> qu peu, non je pense que c'est... Ce, euh, on, est, on, est, on est le combien là. On est le, on moi, le 28. c'est à quoi que j'ai joué. Ah, ça, euh... ça rime avec le 28. Mais... Ah, déjà, c'est pas... Mais regarde... Là on est 70 max. Ouais, on est max. Ça reste entre nous, ils vont pas. Vous dites, rien, non, franchement... vous dites rien, ouais, de... non Non mais franchement, ça vous dites rien. ça. Il va y avoir quelques call to action. Le jeu vers la vers le fin juillet, il y aura, il y aura accès. Pendant euh, une, un, peu plus, un peu plus une quinzaine de jours, en fait, on ouvre une vertical slicing, on donne accès aux gens et on fait un petit leaderboard euh, par-dessus pour euh, distribuer des cadeaux, toujours dans l'idée en fait, d'inclure de, de, les joueurs. Parce que c'est ça le point que je voulais faire. Ouais, c'est que tu inclus les joueurs quand tu leur dis je te donne un collectif dans mon IP. Euh, toi, ton IP, tu vas la défendre en fait. Quand tu. Quand tu vas récupérer, quand tu vas vendre ces items-là, ou les faire gagner, en tout cas quand tu vas insuffler de, 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 des éléments dans ton économie, en, en réalité, tu t'engages. Parce que l'argent que tu vas récolter, tu es obligé de la remettre dans le jeu. Ouais. Tu n'es pas en train de penser peut-être à une prochaine licence, à un prochain jeu dont le joueur n'aura rien à cirer. Non, tu lui dis tu as un IP, tu es, es, es dans ce, ce, cet, cet univers, tu l'aimes bien, tu as contribué, tu, tu as acheté ton, ton collectible, tu, tu as acheté ton pass, tu as... Voilà. Nous, on s'engage finalement à ce que l'argent qui est revenu est remis pour, bah, pas, pas pour du DLC, mais pour améliorer. Nous, ce qu'on va appeler des major updates, c'est qu'en fait, le jeu, il va être, en, il va être constamment amélioré puisque l'écosystème est... Comme Fortnite, Fort... c'est-à-dire il n'y en a Fort... qu'un et il voilà. évolue au fur et à mesure. Un... C'est ça. Nous, en fait, la façon dont ça va fonctionner, c'est qu'il y a un hub central. Pour le moment, on ne peut pas trop se permettre, pour des raisons de sécurité, de tout mélanger dans un Unreal, distribuer du token sous Unreal, bon... Euh, quand on sait qu'un hacker peut éclater à peu près n'importe quel jeu Unreal en, en quelques jours, tu ne veux ouais. pas forcément mélanger ça avec, euh, avec une distribution de, de crypto qui pourrait euh, ouvrir une, une vanne et te retrouver avec, euh, bah, avec une, une seule une jolie bougie rouge <laughs> sur, sur ton écosystème. Et au final, c'est les joueurs qui perdent dans ces cas-là, donc c'est hors de question pour nous. Donc l'idée, c'est ok, il y a un jeu Unreal, il y a un lien entre ce jeu Unreal et l'écosystème, et l'écosystème, pour le moment, il est fondamentalement. Euh, euh, encore web3 dans l'idée avec euh, même de l'oct abstraction, on va avoir des annonces bientôt d'ailleurs sur euh, sur les infrastructures parce que bah, on a on a décidé de l'infrastructure, on a on a finalisé euh, euh, finalisé tout ça récemment donc on a bien avancé sur cette partie et on a effectivement mis l'accent sur euh, bah, l'intégration donc le le abstraction simplement parce que on part du postulat de, de se dire nous on veut que le jeu il soit euh, bon pour n'importe quel gamer, n'importe quel gamer il va jouer, il va dire je kiffe ce jeu. Il s'en fout qu'il y ait du web 3 dedans. Ouais. Dans l'idée, nous, la blockchain, elle est là pour améliorer l'expérience de jeu. Elle va, il va y avoir un côté immersif, il va y avoir des ponts entre les jeux, il va y avoir des passerelles entre les gens qui vont être plus web 3, plus avec un profil joueur investisseur, et d'autres qui vont en avoir absolument rien à cirer. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse y accéder et qu'il puisse y accéder facilement. Donc, le carte abstraction, c'est bien évidemment un point très essentiel euh, pour notre jeu. Il faut que quelqu'un puisse se connecter avec. Euh, ça, voilà, quand les gens... son adresse mail que ça soit sécurisé néanmoins ouais. parce qu'on parle quand même de, de, de propriété digitale donc c'est sécurisé, il y a toute une partie d'éducation à faire et je pense que cette éducation d'ailleurs rejoint l'éducation qu'il faut faire auprès des joueurs pour leur expliquer que c'est pas une entourloupe quoi, parce que bon il y a encore ce, ce stigma quand même qui est, qui est important et c'est juste un manque de communication, un manque d'éducation donc c'est à nous aussi de faire l'effort de leur simplifier l'accès et ensuite de leur expliquer pourquoi on simplifie l'accès et de leur expliquer derrière ce qui... Pourquoi, en fait, on a mis en place ces éléments-là Pourquoi on, on, Est-ce qu'on aurait pu faire ça déjà Parce que est ce qu'on peut dire qu'on aurait pu faire le même jeu sans blockchain C'est sûr que non. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un jeu qui a vocation à être finalement un triple A dans quelques années. Tu peux pas faire ça aujourd'hui si tu n'as pas un gros contrat à plusieurs dizaines de millions de, de dollars, tu vois. Donc, aujourd'hui, tu fais de l'indé, en fait, tu peux te permettre de faire de l'indé, de prendre des risques, de faire des gameplay innovants, de prendre du risque sur le lore, sur euh, tout un tas ouais. de, de mécaniques, parce que c'est euh, finalement financer euh, sur du day-to-day, finalement, avec, avec la blockchain. Avec cet engagement euh, initial de dire, bah, en fait, l'argent qui, 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 qui est généré par cet écosystème retourne dans l'écosystème. L'idée, c'est de faire un cercle vertueux avec une IP qui grossit pour tout le monde. Est-ce que quand l'accès au Web3 se fera... Avec une connexion Google ou l'identité digitale, on simplifiera l'accès. Donc, c'est exactement ça. Le, est, la est, ça sera, ça sera le cas pour nous. C'est euh, enlever tout le côté MetaMask et il vous ça. faut du, de l'oseille pour payer les frais de gaz. Aujourd'hui, ce qu'on a, on a, on a, on a essayé de faire avec Cross, c'est que tu n'as pas besoin de créer ton wallet, un, automatiquement, tu tu peux automatiquement. On a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent du Web2. On sait qu'aujourd'hui, la, la moitié des gens qui ont des assets NFT, c'est la première fois de, la vie, de leur vie qu'ils avaient un, un asset donc, de type NFT. Vous l'avez-vous dans votre com euh, Web 3, NFT Jamais de la vie, ouais. jamais de la vie. Non, 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 on en parle même plus. Là, on parle d'expérience euh, gaming, expérience transmédia. Euh... Même pour les investisseurs mmh, ah, bah, Pourquoi Enfin, les investisseurs, on a pitché en 2021. Après, depuis, enfin, il... nous, en fait, là aujourd'hui, on, on, on travaille sur une narrative qui est pour moi le plus important. On en parlera tout à l'heure. C'est RWA. Enfin, y a, mmh. Pour nous, il y a que ça. Mmh. On a commencé en 2020. Euh, on s'est fait banane en 2022 quand euh, on est parti sur du, du play and earn donc euh, on est vraiment parti sur du play and earn et t'as tous les jeux qui sont partis en disant ouais on fait du play and earn, donc nous on n'a pas réussi à se démarquer en disant que tu vois on avait initié ce truc là, c'est pas pour dire c'est moi et cette fois ci on va y aller en mode mégalo je te dis la vérité on est en mode RWA depuis 2020 on fait ça euh, déjà à la base avec les cartes parce que tu peux les avoir en physique mais maintenant aussi avec les terrains et, et tu vas voir ça fait sens tu vas dire putain c'est bien on va, tu vas comprendre pourquoi le token, il a une vraie valeur, pourquoi est-ce que avoir des tokens aujourd'hui citées, c'est un intérêt qui est majeur. Et, et tout ça, on va l'expliquer au fur et à mesure, sans qu'on sait un investissement, mais plus pour expliquer la logique qu'on a, qu a mis en place et pourquoi on fait ça. Euh, RWA, pour les gens, Real World Assets. Real World Assets, Assets pardon. Euh... Real World Assets, en fait, c'est que quand vous avez, en fait, euh, Cross the Edges, c'est le pont entre le virtuel et le réel. Depuis le premier jour, ça a été créé pour ça. Ça a été créé pour connecter le monde virtuel. Au monde réel donc on a commencé avec une expérience de cartes ce que j'expliquais tout à l'heure donc digital euh, NF, enfin, euh, nft ou physique et on continue donc euh, c'est pour ça qu'on était aux états unis à miami on continue avec les landes où vous allez avoir des landes qui vont être digital nft ou physique et physique avec rendement voilà. encore une fois l'intérêt c'est ce qu'on disait tout à l'heure tu as un écosystème, il y a de la valeur dans l'écosystème la valeur elle entre et elle sort si tu fais que de la valeur qui sort quand tu fais un play to earn il y a ta, ta vocation il ouais. n'y a qu'une seule direction pour toi réellement si tu commences à, à créer ton IP donc, qui a une valeur intrinsèque et en plus de ça tu rajoutes du RWA pour une valeur extrinsèque par dessus tu peux commencer à, co à construire un vrai écosystème pérenne et là on est euh, on, on va chercher la réalité concrète de la blockchain euh, avec la fractionnalisation de, de, des landes, avec... Euh, la distribution automatique sans tiers de, de confiance. J'imagine enfin, voilà. a... un jeu maintenant où euh, imagine tu passes de GTA à CTA, tu vois. C'est au lieu de de, de récupérer. Ça avait Les... été préparée aussi, là Non, non <laughs> j'ai jamais fait encore. <laughs> euh, quand quand, tu, quand tu, 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 tu imagines ce jeu où euh, tu pilles et tu récupères en fait, bah tu le récupères légalement. Et c'est vrai que nous on a une phrase où on dit on va on va légaliser le pillage. Dans, dans CrossEAGS, donc comment ça marche? Il va y avoir donc en septembre une vente qui va se faire exclusivement en city et token. Tous les mecs qui ont du city token vont être refaits parce qu'ils vont pouvoir utiliser leur city token et c'est le seul moyen, de créer une grosse pression acheteuse sur le marché. Parce que ça représente un chiffre très important, plus de 3 millions, où euh, bah, du Citié Token va être acheté en, en permanence ensemble. Donc, tous les gens qui ont le c Token, qui l'ont maintenant, qui l'ont acheté maintenant, tant mieux pour vous parce que euh, vous pourrez en fait payer donc, vos landes land avec. Et là où c'est intéressant, c'est que tu as cinq types de landes. Ça va de 200 euh, à 50 000 avec des rendements. Donc, euh, c'est des rendements qui sont issus euh, de l'extra capacité énergétique. Pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, aujourd'hui, quand on parle de jeux qui font gagner de l'argent, c'est des systèmes de Ponzi, des systèmes où euh, basquez sur rien. Les premiers, bah, tu parlais tout à l'heure, tu disais ça en rigolant, c'est les premiers qui payent, c'est vrai, c'est les premiers qui payent. Et le dernier, bah il est là, il comprend pas pourquoi il a payé. <laughs> donc là, c'est de l'extracapacité, l'extra capacité. Donc décarboner aux, aux États-Unis, on achète en fait des des, des des fermes, on achète des landes en fait de, de centaines de milliers de mètres carrés qu'on découpe, qu'on partage en fait, qu'on fait partager pour les joueurs. Les joueurs vont avoir une Portion, en fait de la terre et donc de, 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 de tout ce qui va y avoir dessus et ils vont avoir un rendement un rendement euh, un rendement donc euh, annuel de 5 à 15 s'ils jouent pas à cross déjà c'est bien c'est ouais. 200 balles c'est chouette par contre là c'est du mode madoff mais madoff il aurait honte de proposer ça si tu passes de 10 à 30 sur des landes quand ils sont stuffés comment ça marche les cartes que tu vas mettre en fait se matérialisent en 3d deviennent des gardiens et protègent en fait tes terrains. et en fait au plus tas de cartes et au mieux donc tu dis c'est Bien en fait, leur logique des cartes, trop bien. Ils mettent plein de cartes, donc du coup, j'ai un intérêt à en avoir plein. Et au plus, tes terrains ils sont gros, et au plus, il faut des cartes pour les protéger. Et, et ça fait sens, ça fait sens parce que tu dis c'est trop trop bien. Il n'est pas non plus linké euh, euh, au TCG ou au jeu. Imagine, imagine demain il se passe un problème avec City et avec le jeu de cartes ou autre. C'est pas grave. Et les assets garderont leur valeur parce que le, le, le rendement il est lié à du rendement énergétique. Et on a les meilleurs, on a les plus grosses boîtes comme Fonderie et Bitmain qui ont des contrats avec nous, qui ont signé des contrats avec nous pour payer l'énergie sur plusieurs années. Donc du coup, les, les, les revenus, ils sont déjà backés. Donc c'est un truc qui est viable. Et on ne mine pas nous du Bitcoin ou autre. On ne fait que vendre de l'énergie avec un prix fixe qu'on a. Il Et un prix fixe qui est déjà déterminé sur des contrats qui sont mis sur plusieurs années. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette parce que du coup, tu dis... Enfin, tu as un truc, tu un modèle économique où et tu récupères la lande et aussi tu as le rendement. Parce que c'était que la lande, tu te dis Attends, j'ai une lande, mais je ne vais jamais ça, y aller. C'est cool, hein, c'est bien, as, tu me donnes la lande, mais je m'en fous. Quoi. Là, tu t'en fous pas parce que oh, oh, c'est génial. Parce que imagine demain, on va faire venir des investisseurs. On en a un paquet qui sont intéressés par le produit. Ils vont acheter le produit et ils ne vont pas jouer à Citié. S'en foutent de city, ils vont acheter le produit. Mais les joueurs, ils vont être au 100 coup parce que tout ce qu'ils ne peuvent pas protéger est pillable. Mmh. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, tu donnes aux riches la possibilité d'acheter, tu donnes aux joueurs la légalisation du pillage. Et tu dis, bah, les gars, vous voyez là, ce terrain-là 15... Il n'a il a, il a pas mis de carte. Dépouillez-le. Et donc, tout le monde va venir grignoter un petit peu. Et le mec qui est pilleur, bah, il va gagner du revenu. Et potentiellement, euh, dans, dans un peu de temps, il va pouvoir acheter son propre terrain, il va passer du pilleur au, au protecteur de sa lande, et, et tu fais évoluer comme ça la communauté avec un concept qui est, assez, euh, qui est assez nouveau, qui est chouette, et qui, je pense, pourrait révolutionner le monde du gaming. Comment... Tu un truc chiant, quoi. Ouais, et comment vous allez le... Tu parles beaucoup de trailers, etc. Comment ça, vous allez le visuellement montrer aux gens qu'il y a des landes, montrer... Euh, oh, ça a commencé déjà. D'où provient l'argent Donc, si, si vous regardez euh, l'émission, vous avez qu'à vous taper... Donc, euh, what is city donc c'est une vidéo y a sur YouTube on, on a déjà commencé à montrer les landes tu vois les landes avec okay. euh, donc, les landes ont déjà euh, les premières landes de l'Oregon ont déjà été achetées euh, les travaux commencent euh, c'est prêt donc euh, dans les dans les mois à venir donc le rendement va commencer euh... donc, en gros c'est des fermes c'est alors c'est pas des fermes c'est des terrains euh, où en fait on met du capex industriel euh, des gens ouais, l'infra on fait toute l'infra, on met avec, exactement, et après, on met des transformateurs, on, fait, euh, on connecte en fait aux au, au postes sources qui sont à côté, on fait baisser donc le voltage pour pouvoir récupérer donc, cette énergie, cette extra capacité, mmh. et ensuite euh, tu plugs, tu plugs tout simplement mmh. les personnes qui en face Donc le modèle il est pas, c'est pas un truc, euh, c'est un truc relativement simple. Le plus dur c'est de réussir à sourcer mmh. les terrains. Ouais. Et d'avoir donc les mégawatts nécessaires pour et pouvoir. Et après vous, faire de, vous, vend, vous vendez de l'énergie. Et après on vend de l'énergie, on, on achète un montant fixe, on vend un montant ah. fixe, c'est très simple et on sait exactement combien on va combien ça rapporte parce qu'il y a déjà des pilotes qui ont été faits. Ah vous êtes la seule boîte de jeux vidéo qui fait ça quoi. Regardez. Pour l'instant. Alors ouais, GTA mmh. fait pas ça. Non, mais, <laughs> oui. mais ça donnerait des idées, non Peut-être. Ouais, ouais, peut qui... Là, on commence par là, on commence par par un nombre de mégawatts, voilà, 4 mégawatts. On continue on, normalement d'ici fin d'année, début d'année prochaine, avec beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de terrain. Là, tu dis, mais ouais, mais est-ce que les joueurs vont acheter Mais on s'en fout. En fait, tous les gens qui veulent du rendement vont acheter. Tu proposes un produit comme ça, c'est tellement rentable qu'on va faire venir un maximum de monde. Et là, tu me dis, ouais, mais les joueurs, chez les joueurs de City, ils vont être trop contents. Parce que ces gens ne sont pas équipés en cartes. Donc, tu as ceux qui vont dire, attends, attends mec, oh. Là, Il y a moyen d'aller grignoter, et de peut-être manger 15, un 25% au ouais. lieu d'avoir un 15%. Mmh. Attends, y a, tu mets un bouton en dessous, tu mets. Euh, vous voulez plus de rendement Contactez une guilde. Toutes les guildes, les top guildes, vont être contactées. Les gens vont dire bah, écoute, on partage notre rendement. Et là, tous les mecs qui ont des assets depuis le début, mais ils sont royaux, de chez Royal. Alors c'est sûr et certain que dans tous les jeux, dans tous les jeux, t'as une sorte de fluctuation. On n'est pas dans une situation folle, donc forcément la marketplace, ça l a pris un coup. Mais quand tu commences à donner un intérêt avec un jeu qui devient un jeu de masse, ça a plus rien à voir. Nous, nous on s'est fait connaître avec un, un TCG. Il faut savoir qu'il n'y a pas plus dur que faire un TCG et on est sorti de notre zone de confort. Pourquoi Parce qu'on a voulu pas copier en fait un jeu et on a été con. Hein, je te le dis clairement, on aurait pu prendre un jeu beaucoup plus simple et copier coller tu vois un mécanisme qui marche qui est facile, ça aurait tenu le temps que ça aurait tenu. Mais non, enfin tu vois, notre volonté c'était vraiment d'innover. Clash of Clans Web 3 typiquement. Ben voilà. oui, ma voilà. enfin tu vois ouais, c'est bah, ouais. via tu vois c est, c est, c est, ça ramène du monde et ça marche. Là la rise, mais laisse tomber, c'est pas. Là on sait, on sait, on sait, on, sait, on est on est dans exactement ce qu'on sait faire. Je dis toujours aux gens oui, on a fait plein de jeux. ils disent, oui mais c'est quoi ton vrai niveau? Parce que là, avec un jeu de cartes, tu vois pas le niveau du studio. Tu vois pas notre niveau. Donc, on a décidé, en fait, depuis euh, deux semaines, de commencer à montrer, donc si ça vous intéresse, d'aller voir un peu les images de E-Rise. De, de, de euh, c'est des vraies images, hein. c'est du, 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 du in-game footage. Et on a décidé, en fait, de communiquer à balle et proposer à tout le monde, en fait, ce qu'on fait chaque semaine, deux fois par semaine, de montrer des images du jeu en immersif. À savoir que euh, ça va se faire en plusieurs séquençages. Première étape, euh, la sortie du jeu, donc en décembre. Et le jeu est prévu... Avec une map qui ne fait que s'agrandir. Donc vous allez avoir en fait euh, les villes. Ouais, c'est du temps réel, c'est du Unreal Engine euh, euh, 5.1. Les gens demandent 3. le lien euh, de la vidéo. Ah ouais, c'est trop bien. Donc t'as cool. as une vidéo, si tu peux le remettre, tu vas dans, sur la chaîne Cross the Ages. Sur YouTube Ouais, sur YouTube. Ah, il peut le mettre. On va pas se faire strike, il n'y a pas de droit d'auteur Non, non, c'est notre musique, c'est tout. Ah ouais, on peut faire ça là Ouais, ah ouais il peut le mettre. mettre. C'est génial. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un mec à la hey, Vous voulez pas mettre un sub ou deux là Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu <laughs> de ting ting ting. On a combien d'ailleurs là Mettre la vidéo, euh, le gaming et la VR et les casques VR. Oh, ouais. Il y a 1,8 re... million de vues dessus. Oh. Ah bon bah attends. Tu vois, on, on bon, fait bah... après, on répond après. Ah mais nous le monitoring pour que nous on ait le son. Pop, 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 pop. Vous, vous aurez le son ici. On n'a pas le son, ils disent dans le chat. Ok. Ah merde. Ça arrive le son. Est les pas aimer. pareil, le son les gars. Ça c'est chez nous, c'est nos locaux euh, dans le sud à Marseille. Ça vit hein. Ça vit bien mec. <laughs> Ça vit très très bien. Le travail, c'est un travail de malade. Ah ils sont beaux. Hein. Ah les, les, les Ah les trailer, ils sont Les briefs, bac. les cartes, tout. C'est. Ouais. Bah, arrives arrive à leur mettre le oui. son là Ils ont pas le son Il faut ah. que tu... Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà. Bon, nous, on a eu le son. J'ai presque envie d'applaudir. <laughs> en bas, tu as le, ton MacBook que tu as rajouté comme source. Il faut que tu montes le. <coughs> du coup, les cartes seront réelles. C'est de comme ça. Le jeu, il est comme ça, mais pour de vrai. Il sera encore plus beau que ça. Et c'est ce, quoi C'est Roguelike, MMORPG MMORPG. Ça tape dans tous les sens. Ça fait combien de temps que vous, vous développez cet Celui-là, là, euh, à peu euh. près 20 mois déjà. Ah ouais. 20 mois déjà, ça fera, quasiment, ça fera plus de 2 ans, euh, de ans, et il a un, une timeline de 6-7 ans pour être finalisé. Il y a déjà il parle parlent de louer son NFT. Ouais, peut... Tu peux. Ouais, ouais. Tu peux. Ouais, avec euh, ça. Ah, ouais, c'est les lentes, là, là Ça, c'est nos vraies lentes, ça nous appartient, ça. Et en fait, tu as toujours le, 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 le jumeau numérique, là, boum C'est ouf parce que un, un, en biologie, on appelle ça l'exaptation. Quand tu es dans deux trucs différents, c'est quand tu es dans deux niches. Là, tu es dans deux niches as le, le, vidéo et, enfin, le jeu vidéo et l'énergie. Ah ouais, c'est les des trucs temps, mais les plus résilients que tu peux avoir. Quoi. C est, c est, c est... Sach, sachant que déjà, le jeu vidéo, c'est à peu près l'œuvre d'art qui te demande le plus de compétences différentes, qui te demande ouais, plus d'expertises de, de, différentes. T'en rajoutes une qui n'y avait pas encore, c'est bien. Ouais, ouais, c'est ça. On ouvert de suite ouais. au lancement du jeu, Il demande. Open world direct. Ah, eh, tranquille, tranquille. <laughs> oh, Vas-y, voit des subs déjà avant. <rire> <Ouais>. <rire> non, en plus, c'était bien, bien. Il y a eu Michou, tu avais, euh, avais Soso Manes, tu avais euh, l'Alger. Ah, à Marseille, l'événement que tu as fait. Franchement, il y a, hein, ah, ouais, il, ça, y a eu 13 personnes de chez Webedia qui sont venues. Sont... C'est chouette parce que tu vois, ils, ils, sont... ils ont été super supportifs. Normalement, ça, ça vaut tellement cher de faire venir les artistes. Ils sont ouais, ouais. venus gratos. Tous. Hum. Tous. Moi j'ai dû lâcher une boîte de Pokémon à Michou, mais mais c'est pas grave. Tu vois. <laughs> non non mais c'est pas grave. Le, le, c'était c'était un bon bon deal et, euh, et on a passé un bon moment avec eux. Et, et c'est vrai que à un moment donné, à un moment donné, il faut il faut réussir à, à taper dans la fourmilière. C'est quand même un, un engagement qui est dur. Je ne cache pas que c'est ingrat par rapport mmh. au, au, à tout le temps que tu passes. Sacrifie enfin, ta vie quoi. Tu vois là ça fait ça va être la quatrième année. J'ai mis ma vie entre côté mec. Ma vie de père, ma vie de de mari, ma vie de c'est est, 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 est horrible, bah, ça. Est Mais d'un autre, autre côté, tu vois, c'est un choix. Et, et l'idée, c'est de dire ben voilà, on va essayer de sortir un truc. Ça prend du temps. Ça ne se passe pas comme on veut, jamais. Mais par contre, l'objectif, c'est exactement le même. Et, et à un moment donné, ça va péter, on le sait. Mmh. On va y arriver. Donc, c'est juste une question de, de, de résiliation. Quand on voit tout ce qu'on a fait depuis le début, je regarde ceux qui ont connu le projet quand ils m'ont rencontré en 2022 sur la chaîne de CryptoMatrix pour la première fois quand, quand j'ai parlé, je te jure. Le jeu, c'était un morpion, c'était un truc. Tu voyais le truc derrière, tu voyais des traits roux, violets, bleus, avec. Si, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais c'était une période où les gens étaient bullish. Et là, au fur et à mesure, bah, tu vois, on, on avance, on corrige ce qui va pas, et on, on est parti pour quoi. Après, c'est un gras c'est un gras, finalement de, de, de faire déjà faire un jeu, c'est compliqué, ça prend énormément de temps. Il y a des hauts et des bas. Enfin, c'est c'est vraiment quelque chose de vraiment très difficile. Et en plus. Comme tu l'ouvres au public beaucoup plus tôt que ce que tu ferais avec un, cla avec un classique, là tu viens de dire que ah ouais, oui, Arise prendra quoi 6-7 ans à finir, c'est normal, c'est les... Ouais, ouais, ouais. les délais. Euh, normalement, tu commences à en parler au bout de la cinquième année, tu ne commences pas à en parler au bout de la première ou de la deuxième. Ouais, ouais, mais là tu n'es pas sur le même format, parce que tu es 3, sur format, es un format Web3 communautaire où les gens donnent leur avis. Euh, tu peux ne pas leur demander et faire un jeu Web2 oui. et tu peux en fait les inciter et ils peuvent t'apporter on va dire beaucoup de, de, de lumière et surtout tu vois mmh. c'est ingrat mmh. alors là ce qui est bien c'est que dès, 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 dès décembre tu vas pouvoir t'éclater et jouer et en fait pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça prend du temps C'est parce qu'en fait, on va développer la map et la rendre de plus en plus grande. On commence en fait par des villes qui vont être des, des villes de, de l'univers Cross. Donc, tu as la map qui a déjà été faite. Mais tu vois, par exemple, les, les capitales n'arriveront pas avant euh, 3 ans après la sortie. Donc, tu peux compter dès maintenant, ça ne sera pas avant 2027. C'est un early access euh, Je ne dirais pas un early access. Parce que vraiment, tu vois, même si ce serait une, une bêta, ça sera très très bien fini. Tu, vois, ça sera, tu vas t'éclater, tu vas jouer. Et quand tu vas jouer, tu ne vas, vas pas dire non, non, c'est... Ça va être un vrai jeu où tu vas pouvoir, avec tes terrains, choper des ressources, du bois, de la pierre, des minerais, euh, de la pêche. Enfin, il y, a, y a... tu vas pouvoir construire. Enfin, il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intérieur de, de Rise. Le chat demande Masada au lancement. C'est quoi Masada Ah ouais, c'est une ville. Ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons. Il y a une ville en fait de, 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 de chaque faction. Donc tu as trois factions dans l'univers Cross the Ages, qui s'appellent Arcant, Mantris et le Rift. Et tu en as une de chaque en fait euh, au lancement. Et tous les six mois, tous les six mois, t'as quelque chose de nouveau qui arrive. Tu vois, histoire de donner à... Tu quoi... n'as rien payé de plus Non, tu ne payes jamais, tu ne payes pas. Tu payes pas. Là, tu payes que dalle. Là, tu, tu joues. Tu joues, il n'y a rien à payer. Et en fait, là, il dit, mais attends, si j'utilise mes, 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 mes assets du premier jeu, que je dépense pas d'argent, tu en fais où de l'argent elle est où la douille Il y a bien une douille quelque part. Là, je dis vous allez voir, c'est plutôt bien fait. Ça va se faire en fait sur des nouveaux NFT qui vont être liés aux, aux, aux armes. Et, euh, et euh, par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que tous les NFT que tu avais avant vont augmenter en valeur parce que tu ne peux plus les avoir. Mmh. Dans la logique de Cross, chaque collection dure six mois. Une fois que cette collection elle est finie, on n'en parle plus, c'est terminé, ah, okay, plus jamais ça sort. Et là où c'est très malin, c'est que, imagine, il y a eu 40 millions de cartes qui ont été éditées depuis le début, 4 millions de NFT, donc tu déjà 10% en moins, qui sont donc sur un marketplace. La logique, c'est que tu payes en city et token pour minter tes cartes, l'équivalent de 1 dollar, jusqu'à là, classique. Sauf qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'il qu y a euh, 700 000 cartes de la première ou 600 000 cartes de la première saison, il y a des merges qui se font, qui font détruire les cartes. T'en faut un certain nombre pour les réduire. Et au fur et à mesure que tu avances, il y a des nouveaux arrivants qui viennent, qui détruisent la supply. Et ensuite, tu as les intersaisons. À saison 3, tu vas merger des cartes avec la saison 1 et ça va détruire la supply de plus en plus. Okay. Donc, en plus, tu avances et au moins, il y a deux cartes. Et tous les nouveaux arrivants qui vont vouloir récupérer des cartes pour plein de raisons, ils vont vouloir récupérer des cartes de la saison 1 ou de la saison SR, euh, ils vont se rendre compte que, que ça va faire qu'augmenter et flamber. Donc, les mecs qui sont arrivés au début, ils sont contents parce qu'ils ont des assets qui valent de plus en plus cher. Comme et à fait magique. Oui. En fait, tu fais du déflationniste. Euh, c'est ça, naturel, euh, parce, parce qu'il ouais. n'y y y y avait pas de moyens, on n'avait pas de moyens. Dans, dans les cartes de jeux à collectionner, quand tu avais des rares, elles, elles disparaissaient au fur et à mesure. Ta mère avait jeté tes cartes. Ton <laughs> de... ouais, 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 ouais. frère les a filées un peu dans la rue. Tes premières éditions de trucs ouais. en fait Moi aussi, j'ai mes anecdotes Pokémon. Parce que, <laughs> en fait, entre les données, c'est un truc, mais il faut qu'elles soient détruites. Et ces cartes, elles se sont naturellement détruites. Elles sont vraiment à la ouais. poubelle et tu ne les retrouveras plus jamais. Alors, comment tu fais pour faire ça dans le Web 3 Vu mmh. que tout est sur la blockchain, bah, mis à part perdre ton wallet, nous on s'est dit on va aller beaucoup plus loin, on va créer un système qui, qui ressemble à Pokémon, où on fait évoluer les cartes, donc les cartes sont standard, alternatives ou combo, d'accord Et à partir de là, tu vas avoir à cramer des cartes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout, tout le temps. Ouais, une nouvelle. Exactement. Et en plus c'est sneaky parce que quand tu fais ouais. évoluer tes cartes, tu as en fait des rangs qui apparaissent. C, B, A, S, 70% de chance, tu as un de C. 22 pour une B, 7 pour une A et 1 pour une S. Je garantis que mec, quand les mecs ils ont des S, c'est la folie et ça vaut une blinde. Et en plus de ça, c'est la célébration. Et tout le monde veut des S. Donc du coup, quand t'as une C, t'es pas content, tu recommences. Tu vois Là, il y a un nouveau système qui arrive qui va encore plus push les gens à faire ça. Mais ça fait que détruire, 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 détruire les cartes. Nous, on aime ça. Détruire les cartes. Détruire les <laughs> cartes. En fait, les gars. Tu, tu, tu pousses organiquement la, la rareté. Exactement. Du coup, Exactement. ta rareté, elle est toujours à ce est toujours, elle scale toujours avec ton nombre d'utilisateurs. Bon, on actuel. est d'accord que si on la redime, par contre, on peut plus les craft. Alors, quand tu, quand tu as toute ta collection, tu as tes 145 cartes, il t'en a fallu plusieurs, euh, plus de 2000, tu vois, parce qu'il fallait burner les communes, il t'en fallait 30 par commune mmh. et ainsi de suite. Toutes tes cartes, tu les burnes, tu les dégages, tu les détruis, elles sortent de la blockchain et tu récupères les physiques. Alors, on m'a dit oui, mais comment on fait Moi, j'ai les physiques, je veux jouer à l'autre jeu. vous inquiétez pas, on a pensé à tout. On ne va pas vous laisser en galère. Hein <laughs> on ne laissera jamais être... les gens. Par contre, tu les fais disparaître de la supply. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce choix. Mmh. Je veux que les gens ils se disent bon ben voilà euh, qu'est-ce que ça va coûter. Il faut savoir que les jeux de cartes au moins il y a des cartes en physique et au plus ça vaut une blinde. Et c'est pas plus cool. facile de les revendre en digital oui. bah, pff, Plus facile, oui. Mais après, ça dépend bon, bah, qui tu t'adresses. Quand tu commences à si demain le jeu il, il explose comme je l'ai dans la tête. Je te jure que les premières éditions, il n'y aura aucun prix dessus. Voilà, ouais, euh, carte physique. Cartes physiques, si tu dis, je sais pas moi. Il n'y a, a que 1000 cartes possibles pour les standards, 500 pour les SR, 250 pour les exclusives. À tout le monde pourra pas redim, Jamais, de premiers, euh... Jamais de la vie. Jamais de la vie. En okay. plus, on a fait un truc trop smart. Et, si, vous envoyez, <laughs> si vous envoyez 50 subs maintenant, là, dans les. Euh, dans les. Vas-y, laisse jusqu'à 22h. Ouais. Jusqu'à 22h, 50 <laughs> subs. Je vous jure, je vous annonce un truc que j'ai jamais dit à personne et qui est mortel sur les cartes physiques. Alors, déjà, je vous dis quand est-ce qu'arrivent les cartes physiques Arcante et Mentrice. Attends, pas <laughs> fini. Combien, combien un Ok, un abonnement. Ok, ça un va, heureux, 49 49 en. <laughs> 48. 48 en 14 minutes. Si en 14 minutes, on chope 48 abonnements, je vous explique. 1. Quand est-ce qu'elles arrivent, les cartes physiques, et pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? Donc, Arcante et Mantrice, et surtout, je vous explique un truc que je n'ai jamais expliqué sur <laughs> l'obtention des cartes, et comment vous allez avoir ces cartes-là. Donc, pas régal Les gars, il reste 13 minutes. <laughs> et si, si jamais on n'a pas ces, ces 48 subs qui restent, je dis que dalle. Voilà, et on passe à autre chose, à autre <laughs> sujet. Voilà. Moi j'avais une question parce que tout à l'heure tu as dit oui sur euh, Cryptomatrix les gens ils étaient bullish etc. Est-ce que là bah, c'est le cas pour nous, c'est le cas pour moi en tant que créateur de contenu, on est dans une industrie où... Ça fonctionne très, très 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 bien pendant un an, pendant deux ans. Ensuite, il faut manger du sable pendant pendant deux ans, pendant trois ans. La corrélation au marché. La corrélation au marché. Est-ce ah, que ouais. euh, donc vous, vous, là, vous êtes dans un jeu vidéo, mais en plus vous êtes corrélé à un marché, marché parce que votre corps euh, on a user base, oh, non, est elle, bizarre, elle est web 3. Sable et cailloux. mais ouais. euh, là, 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 regarde par exemple, on le voit. On va faire, tu vois, on va faire des, déjà le nombre de viewers. D'accord Ber. Et, et, et comment ça s'appelle Éboule. Ça n'a rien à voir. Ouais. Moi, je, je faisais des vidéos, il y avait 500 personnes qui arrivaient dans le Telegram, tu vois. Ça allait dans, dans le Discord, mais à gogo, -go, parce que les gens, ils étaient en folie furieuse. On n'y est pas encore, là. Donc, on a préparé, en fait, un truc, là, euh, toute une stratégie pour la Chine qui va commencer à partir du mois de juillet, où je refais ce que j'ai fait, là. Je refais ce que j'ai fait. Toutes les vidéos que j'ai fait avec, euh, avec les influx français, je fais la même chose en Chine, avec que des Chinois. Quand ça commence à partir du mois de juillet, on en a, on en a bloqué euh, 14. Et avec qui on va faire ça pendant, pendant tout le mois de juillet, début août Pareil après pour la Corée et pour le Japon. Donc on a tout un programme euh, pour l'Asie, euh, pour unboarder un maximum de gens. Je sais d'emblée, alors que c'est des marchés qui sont extrêmement lourds, que euh, ça va perfer euh, peut-être euh, 8 fois moins que ce qu'on a fait au début, mmh. alors que j'ai euh, 100 fois plus de contenu. Je dis, putain, merde, j'avais rien. J'avais un morpion, mec, en fond d'écran. Les mecs qui venaient, ils disaient, waouh, la vision et tout. Je dis, mec, j'avais un morpion. Tranquille, tu vois. C'est une, jour... une question de timing. C'est une question de timing. Le timing est quand même. Ouais. Le timing, il est pour beaucoup. Et il est pour il est plein de choses, hein, je ouais. trouve. 12 ah minutes, 12 minutes. 12 minutes, 48 abonnements. 12 minutes, 48 <laughs> abonnements. C est, c est, c est 49 subs, c'est plus de 1000 tokens. 1000 tokens. <laughs> Lol. Hey, les gars, c'est pour la bonne cause. Je prends pas d'argent, <laughs> moi, dessus. C'est pour eux. Vous vous rendez bien compte oh, que... Non mais c'est vrai, c'est pour bloc. Moi je fais ça parce que je trouve que c'est. L'intérêt, c'est de faire connaître un maximum de monde. Et c'est important de valoriser le travail de personnes qui donnent énormément de temps et qui n'ont pas le retour financier par rapport à ce qu'ils font. C'est pas comme ça en fait que tu rentabilises. Il va falloir falloir du temps pour, donc je me dis, autant participer. C'est pour ça que euh, on s'est prêté au jeu et qu'on prend en charge les cadeaux. Mais ouais, offrez, allez, lâchez les subs. Lâchez, lâchez Ils en ont offert beaucoup hein, déjà. C'est vrai? Ah oui. Ouais, bien. Depuis le début là. Euh, 216. 216. On est pas loin. Est ouais, ouais c'est 250. La, allez, franchement, on la prochaine. Ça, ça mérite complètement l'émission hyper qualité. 34. Allez, 34 subs bien. et 34 Merci subs. Lâchez vos ans. subs. <laughs> tu voulais dire, Gabin Je parlais de quoi moi ah ouais, le fait de, de faire un jeu... Market, ouais, de... ouais, bah ouais, c'est compliqué parce que déjà faire un jeu, bon, euh, ouais, c'est dur. Mais le faire avec la blockchain, c'est un gars de... Euh, je pas, pas dire son nom, je sais pas s'il si a en vit, mais euh, un des mecs qui a lancé Fortnite, il euh, y a peut-être un mois, j'ai discuté avec lui, et franchement, il disait déjà, déjà, faire un jeu, c'est compliqué, mais là, vous êtes vraiment attaché de main dans le dos en mettant de la blockchain dedans. Ouais. Et, et, bah c'est vrai, quand tu regardes... Il n'a pas tort, euh, dans le sens où, ok, c'est un, un, un risque, tu vois, mais on, on l'assume. Euh, sami et moi, enfin, quand on Giz et Oxia, on, on, on a réussi finalement à, à passer un peu le, le, le dur de la tempête, parce que il y en a des projets qui étaient vraiment fondamentalement bons, mais qui sont quand même morts, parce que bah, à la traversée du désert, euh, ouais. elle est hyper ingrate, parce que dans un, dans un monde classique, tu t'exposes tu pas à ça avant d'avoir fini ouais. ton jeu. Les seules emmerdes que tu peux avoir, c'est euh, bah, si dans ton garage, la température, elle n'est pas bonne quand tu fais le jeu avec tes potes, en hein, vrai, quand merci, tu fais de l'indé. Donc, euh... merci pour merci les subs. Merci. On en est à combien Merci euh... à tout le monde. On est à 100... 218. 219. 21. Square Enix 21. en partenariat, ou ouais. qu On qu'on en parle Bah ouais. <laughs> bah ouais. Et... Non, on en parle, on n'en parle pas De Square Enix. Alors, en gros, il en gros, a, y a 5 publishers, 5 éditeurs de jeux vidéo qui ont baqué euh, Cross the Edges. Euh, avec euh, Square Enix qui est arrivé au tout début. Et si vous vous rappelez en fait de l'histoire, si vous êtes arrivé au début, euh, vous comprenez que Square Enix. Bon, déjà on les connaît parce que euh, on a une relation privilégiée avec tous les éditeurs depuis 2016-2017. Mais Square en fait, donc l'équipe euh, japo anglaise euh, avait découvert le projet donc euh, à la soirée BGA grâce à Sébastien Borgé, et juste après l'intervention de, de Alexander Leonard de Axie Infinity. Et tout de suite ils ont dit mais attends mais c'est un truc de malade. Euh, nous on veut être dedans. Ils n'ont ils ont, ils ont investi que sur deux jeux aujourd'hui, dans tous les projets possibles et imaginables. Ils ont investi dans Cross the Ages et euh, Blocklord, euh, pour des raisons bien spécifiques. Euh, L'idée aussi c'est de, 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 de collaborer avec eux sur ce qu'on appelle du crossover. Euh, il faut savoir qu'on euh, a fait donc avec Ubisoft, euh, non pas un partenariat, mais le premier crossover Web 2, Web 3. Avec l'intégration des 24 personnages de Watch à l'intérieur, donc euh, vous verrez euh, ah ah on se rapproche, on peut avoir les noms des gars ça fait longtemps qu'on les a pas up Ah ouais mais ah, s'ils si ont pas des noms euh... bon bah ben merci frérot Merci beaucoup <laughs> Merci beaucoup Live de dingue, sérieux ça fait plaisir merci beaucoup les gars trop trop bien il reste 8 minutes 8 minutes pour balancer euh, une 20 Ouais 21 sub ça va 21 sub 21 oui. sub c'est cool les cartes de watchdog sont magnifiques ah, Donc euh... les cartes de watchdog les cartes de watchdog c'est une tuerie vous rendez... Allez, Allez. Youpi loupi Merci, loupi euh, Plus que 11 abonnements. Donc, Merci, Jérémy. Vous ne vous rendez même pas compte, même pas compte du travail qui a été fait. Donc là, on est en train de finir une vidéo là, avec euh, les studios d'Ubisoft. Ça nous a mis un an pour faire cette collection. Un an, un an. Préparer donc, euh, le film d'animation, préparer la storyline. Il faut savoir que tout le concept Watchdog x c'est c'est de réussir à intégrer de la meilleure manière, 24 personnages qui n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe, avec des cartes où chacun des persos est designé et habillé aux couleurs citées. en mode magicien, en mode rift, en mode ma, ma, la matrix. Et ce qu'on cherche, ce qu'on qu cherche par-dessus tout, c'est de créer en fait une narrative, une histoire, et faire un crossover pour qu'il y ait du sens. On s'est dit qu'on ferait un seul crossover par an. Euh, avec euh, à chaque fois une très très forte IP, on a déjà négocié la, 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 en fait. deuxième, ouais, la deuxième, on a aussi la troisième et la quatrième, euh, la, la deuxième pour moi c'est un, un coup de cœur émotionnel, c'est pour moi le... perso je te jure quand, quand, quand on a commencé à discuter je ne croyais même pas que c'était possible. Euh... Okay, bon. Allez, essayez <laughs> de deviner. Je, pas, je, crois, je crois que je vois laquelle c'est. Mais, mais, mais en fait tu ne peux pas faire ça parce que ça va, là, oui. tu souilles. Ton IP. <laughs> non, mais c'est vrai, tu te dis, un le petit Pikachu dans le truc. Tu mais qu'est-ce que tu fous là, mais toi pas, ouais. En fait, si c'est pas science-fiction ou fantasy, puisqu'on a eu plein de propals d'autres choses, on rentre pas dedans. Il y a des trucs que j'aimerais bien faire, tu vois, mais faire rentrer, tu vu du One Punch Man à l'intérieur ouais. de Cross the Ages, c'est compliqué, tu vois. Aller mettre une carte comme ça, 999 de Saitama, c'était un peu la merde. Donc on a eu plein de, de propositions et on en a de plus en plus. Euh, et ce qui est chouette, c'est que vu que l'IP elle commence à prendre de plus en plus en termes de temps, il faut savoir qu'il faut du temps pour qu'une IP elle prenne de, de, de la valeur. Hein, il faut sortir des bouquins, il faut euh, faire euh, de la promo, continuer à pousser. Et c'est sûr et certain que ça va monter, donc euh, crescendo. Donc voilà, ouais, la prochaine est, est très très lourde. Il nous reste combien de temps là 5 minutes 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, minutes. On parle de, de jeux coup de cœur et tout. Nous, on, avait, on a préparé un petit jeu. Ouais, vous okay. allez devoir classer des jeux. Non, on le fait d'habitude avec les... Ah, les ah ouais, avec les cryptos, ouais. vous faites ça ouais. sur les ah, sets. Mais il y, y ça, aura aussi des le cryptos. Ah ouais, et t'as une échelle de 1 à 7, celui que vous préférez, faut que vous soyez d'accord Tiens, ils vont nous faire une liste, ça va être trop bizarre à la fin. Hein. <laughs> oui. Et toi, t'aimes bien dire cela non, en premier, c'est ça hein Oui, toujours. Hein ah, je sais que ça fonctionne pour les hooks, pour les réseaux. Ça marche, ça marche. Là, c'est bon, pour euh, <laughs> les jeux vidéo, donc... Euh... Et, il faut qu'on soit d'accord tous les deux, voilà, ça. Non, mais ça devrait aller, en général, on est quand même ouais, d'accord. Non, tout à fait, tout à fait. Alors, premier jeu, <laughs> qu'est-ce que c'est On est à combien de subs, il demande Romain le 229. 239. Nous aussi on lâche des trucs il au passage. Il hein. en... euh, 11. Donc si on 11, va foutre 11, du NFT, 11. en 5 minutes. Fortnite. Au moins deux. Ouais. Au moins deux, au moins deux. Non au moins deux, en en fait, fait, au moins le ce deuxième. C'est ouais. deux Après après, joueur, après il dit ça, ça veut dire qu'il y a des trucs lourds il y a... mais, après, ouais, dans mais derrière, il derrière nous sort Je suis même capable de dire en derrière, Mais tu le mets mais là parce que là il faut il faut tout penser au truc. C'est quoi, quoi les conditions en fait C'est quoi le, hein. les critères juste... Pour vous, c'est un all-time high, quoi. Enfin, all-time euh, ouais, dans ce cas-là, je veux bien le réduire, réduire à 3, peut-être. C'est vrai, parce mais parce que... Que... mec, ce qu'ils ont fait, euh, Fortnite, non, personne l'a fait. Hein. C'est ouf, je suis d'accord. Mais euh, ouais. niveau IP, ok, pas pour 3, on pour la part en 2 deux. 2. Deux. 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 Allez, 2. On va la part en 2, 2, 2, 2. Allez, va pour 2, Fortnite 2. Il y a quelqu'un qui a dit c'est bon. C'est bon Sur le nombre de... 240. 240 on a dit 250 les gars. Commencez pas avec les bon 4 minutes. On passe à côté du truc. C'est dommage pour le Sub. C'est quoi ce jeu World of Warcraft. Ah c'est chaud. C'est bouillant. Merci beaucoup. C'est qui que je le remercie Grisliques, Grisliques. Merci beaucoup. Merci mec. Psychographe, tu nous as okay, refait ce soir, je te jure Bravo T'en fais de l'ASMR tellement c'est... Non mais sérieux... Oh. Enfin hey. Bon, on finit Et le bon jeu t'as euh, du leak à... Ouais, j'ai du leak, j'ai du leak à envoyer. du leak à envoyer du coup, merci euh, Bah ouais, on va en faire 3. 3, 3 pour ouais. les... Il faut on se 3. laisse le créneau 1 sinon on est marron. League of Legends, hein. Ouais. Ça va être ça, hein. Ça va être ça. 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 3 pour euh, World of Warcraft. Allez On est à combien de subs, là 255. Oh, 260. Ah je sens qu'on est parti trop, trop vite frérot <laughs> euh... Je sens qu'ils vont nous sortir des à trucs absolument légendaires Ah beau hôtel Ah euh, hein beau, hôtel. À beau hôtel, euh, Ça me va moi de le mettre bien en dessous Ah bah oui Oui ça. Je Vous pense... y avez joué déjà Non, non. Beau hôtel, euh, Je connais le jeu mais après c'est pas, pas il, il me transcende pas plus que ça Non à mon avis ouais. euh, s'il si, si continue de sortir des trucs dans ces gammes là On peut le mettre en 7 tout de suite hein. Mais le <laughs> Mets le 1-6. Allez, 6, a, 6, 6, 6, le cas où qu'ils nous sortent, euh, je sais pas, euh, le jeu des Kardashians, un truc ouais. comme ça. <laughs> Et ça encore, on voit des, des trucs en rafale, hein. merci beaucoup, allez, encore. Oh, voilà, c'est ça qu'on aime, rafale les gars Putain. Moi je vais juste mettre un indice visuel sur ce qu'on va lâcher aux gars, tu vois. C'est ouais. The Witcher là qui arrive, Je mets juste ça là, nous on va lâcher. The Witcher. Witcher, The Witcher j'aime bien mec, The Witcher ils aiment vraiment bien. Witcher ouais, ça va être du, ça Witcher, va être du 4, hein. Witcher 4, ouais. Ouais, ouais. ouais. Tu peux pas le mettre, mettre au-dessus de Fortnite, mais tu peux pas le mettre... Euh... Ah, Witcher, ah, l'expérience, elle est ouf, leur histoire, ouais. elle est, démentielle. Moi, est film, en fait Moi, je m'enferme pendant une semaine et je vis Witcher. On a mis Witcher 3, trop, trop, trop bien, que ça que trop bien. Mais après, tu ouais. vois, c'est cohérent de le mettre après Fortnite. Il n'y a rien après... de fou. Pour le moment, je suis Donc content Là, il est bien, c'est bien. Il risque de nous sortir une dinguerie à la fin, mais... Mais c'est pour ça, on a encore 1 et 7. Ouais, il peut nous sortir une dinguerie à la fin. Hearthstone. Ah, bah 5. Bah c'est très ouais. bien. Alors, nickel, parfait. Très, très bien. Nickel. Magnifique. Et du coup, normalement, on est bien, sauf s'il nous sort deux, deux, <laughs> deux, deux, deux dingueries. Et là, on va faire un département de deux, gouttes et on s'en retrouve à 5. Si tu nous fais un Valorant, Valorant Zelda, Valorant et... ou, un, ou un Genshin avec. Il s'enferme ah, beaucoup quand même, Tom. C'est-à-dire Minecraft. Eh, putain. <laughs> Est-ce qu'on se laisse le. Ah là, c'est avez... -ce laisse... -ce la, la pire stratégie que vous avez fait. Là, c'est -ce la fête qui propre. Minecraft c'est bien Minecraft c'est bien mais ce sera 7 mais c'est bien tu vois... Allez, allez mets en 7. 7. <laughs> mets en 7. Minecraft derrière Abo. Ouais, ouais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est tu sais la fin tu regardes, tu regardes que les 3 premiers en vrai. C'est quoi C'est qui qu'on a mis Counter-Strike. Oh ça va Pouah Magnifique Franchement elle est Putain. bien Oh notre les, gars, les gars, les gars le top 5 il est génial. Ouais, top Franchement elle est, est pas mal, pas mal. C'est juste si c'est 7 et on était... Par contre ils pètent tous un crâne dans le chat. <laughs> non, ils pètent tous leur crâne dans le chat, ils ont Minecraft en 7. Non, les gars les gars, les gars on aime trop Minecraft, mais s'il mais y avait, y avait League of Legends, on pouvait pas le mettre en ah 7. Ça oui, mais... fait défoncer. Et Counter-Strike en 7, c'était dur aussi. Ouais. Il, y avait trop, il y avait trop de jeux qui pouvaient aller en 7. On aurait peut-être ouais. pu mettre Hearthstone, quoi Mer, euh, mettre Hearthstone ouais. en 7, c'était trop dur. On non, trop tu, engagé, mettais, tu mettais Abo en 7, tu mettais Hearthstone en 6 et tu montais euh, euh, Minecraft trop. en 5 et on était bon. Ouais. C'est lequel dans la liste où vous avez passé le plus de temps euh, C'est une bonne question ça. Putain, moi, Witcher je dirais oui wow quand même. Moi je Witcher, dirais ouais, 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 je oui oui Bah Witcher. oui oui, bah oui je suis con. What the fuck, tu joué oui. mais Witcher c'est laisse tomber surtout à Gwent. C'est ça. Au Gwent des cartes. Ouais. <laughs> il y a un gars, il y a un gars de la team, je lui ai demandé l'autre jour, t'as mis combien d'heures dans dans Witcher 3 Il a fait dans Witcher 3, j'ai mis euh, 600 heures et, et dans le Gwent 400. <laughs> ah bah ouais, tu m'attends. Mais... Ouais, ouais. Il y a tout le ouais. monde qui dit Gwent, ouais, ouais, Gwent Gwent Gwent. Gwent Gwent Gwent. Ah là ça demande le leak Ah les leaks, les leaks. Donc on y va, c'est parti. Allez les leaks, Mesdames, messieurs. merci encore tout le monde. Merci déjà infiniment. Tu nous, tu tu sais nous, fais, tu nous fais de la SMR pour le merci lit Merci infiniment déjà pour euh, tous ces subs. Euh, ça me, je ne prends pas de commission ni de rétro-commission, vous le savez. Par euh... <laughs> quoi oh, je commence Je commence par euh, ces cartons physiques. Ces cartons physiques, on en a parlé depuis le premier jour et ça a été euh, relativement long et très, 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 très dur de pouvoir ouais. réussir à convaincre des publishers de le sortir. On en a vu plusieurs. Euh, et euh, que ce soit MPG, tout le monde a dit non, sauf par rapport à la complexité. Quand on a contacté donc, Cartamundi que je connais depuis plus de 15 ans, ils m'ont dit on t'aime bien, mais c'est un non. Euh, on a essayé de travailler ensemble pour réussir donc, à les convaincre et on a sorti une première collection qui s'appelle la Prana Collection qu'on a sortie au, euh, au mois de décembre. Pour la première fois, donc, les gens ont vu des cartes physiques de Cross The Ages. Au lieu d'acheter euh, du, euh, du, du, du Prana, donc de la monnaie in-game, euh, tu avais donc des cartes avec un code derrière. Le concept était sympa, les cartes étaient de bonne qualité, mais étaient en dessous en fait du, euh, de, de, de l'attente qu'on avait parce qu'on avait une attente qui était complètement dingue. Euh, dans les nouvelles cartes, les nouvelles cartes en fait ont demandé euh, beaucoup 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 de travail. Il faut savoir qu'on a signé un bon pour accord pour les cartes Arcante et Mentrice en décembre 2022 j'ai Bien dit décembre 2022, et elle n'arrive que maintenant. Elle n'arrive que maintenant parce qu'on a demandé à plus de quatre reprises de ressortir en fait les cartes. Là, vous allez avoir, vous verrez ce que j'appelle moi des cartes où je suis fier. Le design est dingue, la qualité est vraiment belle. Que ce soit sur les coins, elles pourront être gradables facilement. Et la grosse dinguerie qu'on a faite sur cette collection, c'est que. Dans l'ordre en fait des cartes, imaginez que euh, ben, vous avez complété votre, votre collection de cartes et vous allez faire le régime des cartes. Tout le monde va se battre pour avoir euh, les cartes. Est-ce qu'on met toutes les cartes numérotées en 1, numérotées en 2, numérotées en 3 Donc les cartes de la première collection sont numérotées de 1 à 1000. Et on s'est dit franchement, c'est pas faire. On a déjà eu cette, ce, 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 ce discours avec euh, les premiers qui arrivent et qui ouvrent, cette frustration qui est intense. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un truc qui pourrait donner envie aux gens de tout le temps cramer des cartes pour les avoir. Je m'explique. Lorsque vous allez en fait redeem votre collection, vous allez recevoir les 145 cartes. Elles sont bien sûr liées à la blockchain et par rapport à vos cartes, oui, mais chacune des cartes est numérotée aléatoirement. Donc vous allez avoir en fait un premier pack avec des cartes qui vont être la première carte va être 650, 330 et vous allez potentiellement avoir la soliste numéro 1 en fait du pack. Et en fait, au fur et à mesure, on va voir les cartes qui sont sorties, mais jusqu'au dernier pack, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui va sortir parce que c'est dans un ordre et c'est votre ordre qui va définir en fait les cartes que vous allez avoir donc euh, ça va inciter les gens à avoir non pas une mais deux collections pour essayer d'avoir des petits nombres et surtout bah, pour avoir en fait cette euh, carotte de se dire qu'à chaque fois il y a une chance d'avoir les cartes et c'est pareil aussi pour les cartes foil bien sûr comme vous le savez euh, euh, les cartes donc sont limitées en exemplaires pour les collections standard c'est 150 500 pour les SR et 250 pour les exclusives et Cerise sur le gâteau, c'est les deux collections qui arrivent en même temps. Donc euh, c'est Arcant et Menteri qui arrivent en même temps. Donc vous allez avoir un délai pour pour limiter, et après Adios. Mais euh, euh, mais on a voulu donc concentrer ça sur un, un double événement et permettre aux gens en fait d'avoir toutes les cartes. Donc voilà. Vous pouvez aller chauffer la marketplace, récupérer les cartes qui vous manquent. Euh, vous allez voir aussi que derrière, toutes ces cartes qui vont être brûlées vont faire diminuer donc, la supply fortement, parce qu'il faut bien sûr des alternatives et des cartes normales et des combos, ce qui va en fait détruire... La supply grandement parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont déjà complété leur collection et, euh, et voilà quoi, très très bullish sur cette partie là et ça va arriver ça va arriver là incessamment sous peu je pense que dans dans les, les semaines à venir on va vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite on va trouver une belle date une date assez sympa pour lancer ça pour que tout le monde puisse en profiter et enfin donc vous donner accès à vos cartes physiques que vous attendez depuis un moment. Merci beaucoup. Les gens disent popopo, po, po, bravo, ça laisse la chance à tout le monde. Exactement. Loterie top. Loterie top. Moi je garde ça sous scellé. Ah ouais ouais alors là mec mais là mais là mais là les gars vous vous rendez pas compte là parce que enfin je suis un puriste. Bon. Et c'est vrai que j'ai cette manie de garder tout fermé. Et je sais que dans ma communauté, les gens maintenant ont pris cette habitude de garder tout fermé. Et donc du coup, tu dis mais alors regarde là, je vais faire deux collections, parce que maintenant je comptais en faire une, mais Samy, t'es en train de nous faux mots et on va être obligé d'en faire deux, une scellée et une ouverte. Mais c'est laquelle que tu ouvres Imagine que dans, euh, je sais pas moi la, la fermer, tu te retrouves avec un Shadow et avec euh, un Calypse en un, mais tu le sais pas. Parce qu'en fait, c'est complètement random. Et quand je vous dis complètement random, c'est complètement random. On a fait un travail de fou parce qu'on a généré euh, 145 000 codes, donc vous avez 145 cartes fois 1000 collections, et chacune euh, des, 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 de ces codes a été donc déjà pré-envoyée à, euh, à Cartamundi, et ils ont en fait linké les collections qui vont arriver au fur et à mesure. Donc quand nous on va recevoir une collection d'un fichier Excel avec vos cartes qui vont passer en fait directement sur les informations de la blockchain, c'est un travail de zinzin qui a été fait vraiment. Ça ça a vraiment été un travail de petite fourmis. Et du coup euh, quelles cartes vous allez avoir quoi Vous allez avoir quoi Et donc l'opening les gens vont découvrir les cartes, euh, ils vont découvrir en fait les rankings qu'ils vont avoir. Et vous verrez par vous-même parce que même dans la collection des cartes euh, physiques euh, les petits rankings, c'est le graal. Hein. Avec le temps, vous allez comprendre que pourquoi est-ce que je, je suis autant bullish sur, sur ces parties euh, cartes physiques. Et c'est vrai que ça sera l'une des premières expériences comme celle-là où euh, on aura vraiment matérialisé une expérience de A à Z avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incentives émotionnelles parce que euh, la difficulté pour obtenir les cartes, euh, la découverte et, et bien sûr cette expérience, ça sera limitée dans le temps. Donc imaginez qu'il euh, n'y ait que 500 collections, 600 collections qui sont euh, qui sont mintes, bah, c'est tant mieux pour vous. Au moins, il y en a, et au plus, le prix coûtera cher euh, sur, la, sur la suite. Les gens qui demandent, est-ce que les cartes... Alors, les cartes seront burned, quand on passera de l'éternel en physique, on pourra quand même jouer à TCG complètement. ou E-Rise. Complètement, complètement. Donc, il faut savoir que euh, on n'est pas fou. Hein. Donc, euh, déjà de une, cramer ses cartes, c'est quand même un, un, un symbole qui est fort. Je dis, attends, moi, je crame mes cartes. Quoi, il va falloir que je les recommence. Moi, j'avais des bonnes cartes. Je n'ai pas envie. Donc, on a un mécanisme qui est très smart, qui vous permettra de toujours jouer avec ces cartes-là. Donc, euh, et, et dans le TCG et dans E-Rise, pour ne pas être pénalisé et se dire OK, je ne peux plus les vendre sur la marketplace. Je peux les vendre sur la marketplace en physique. Donc, il y a vraiment un choix à faire et euh, ça va. On m'a pas banané, on m'a pas couillonné, euh, on m'a pas laissé comme ça de côté en me disant "ben vas-y recommence depuis le début". C'est vraiment important pour nous qu'il y ait, on va dire, un, un sentiment de d'égalité, euh, même si on ne sait pas exactement comment vont monter les cartes. Ça va être un ça va être un, un choix. Hein, je vous le dis clairement, hein, ça va être un bête. Euh, au plus l'IP va prendre, et au plus c'est sûr et certain que les cartes vont prendre une envolée. À savoir que c'est logique comme tout jeu. Au moins il y en a, et au plus ça sera cher. Je sais pas pourquoi le psychographe qui dit, est-ce que c'est comme acheter du BTC à 60 000 50 50 Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi non plus. Mais, mais peut-être oui, que... que je... <rire> <rire> non, es fou, je vais me faire défoncer <laughs> après. Je, je répondrai à cette question un peu plus tard. <laughs> en tout oui. cas, bel hommage à Julien Assange hein, avec tous ses leaks. Euh, Putain C fou quand même, hein. ouais. c ça tombe bien. C'est à il ouais. dit ouvrir un paquet fermé, c'est comme ah, ah oui, d'accord. Ouais, en fait, ouais. Je comprends malin, mieux. Ouais. Malin, malinx le lynx, et ben, ben en fait, le truc c'est que c'est que on sait pas, et, et c'est sûr et certain que fermé, tout ce qui est fermé a une valeur de malade. Enfin, pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je suis un ultra conservateur et j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai gardé fermé. C'est vrai que fin, j'ai toujours l'habitude de garder quelque chose fermé. J'ai des packs pack Legacy aujourd'hui que j'ai gardés fermé. Bien sûr, j'ouvre aussi. Mais c'est dur, quoi. C'est compliqué. Que, quoi, Généralement, je fais toujours la moitié-moitié. Enfin, j'ouvre un, je ferme un. C'est ce que je fais tout le temps. À ne pas sortir du contexte. Je pense exactement, oui, on pense exactement la même chose. On, pas sort, la non, y on y y sortira pas du contexte. Je suis un ultra conservateur. Il n'y a pas de blague. Pas pas de blague. Non, mais c'est franchement cool, en vrai. Non, mais c'est vrai, parce que tu as une valeur statistique, en fait, quand ton truc il est, encore, et quand il est encore euh, fermé. Donc. Euh... Ouais comme, comme ta valeur elle est, c est, c est, elle est plutôt exponentielle, c'est pas pas, pas linéaire, tu vois. Bien sûr. Forcément la moyenne elle est plus haute que concrètement ce que tu risques d'avoir mais, là, mais là, là, là là si tu réfléchis ça est énorme. On a on a on a la plupart des gens en fait dans la communauté qui avaient réussi à compléter une collection. Je te jure avec ce qui vient de se passer là maintenant, t'en fais pas une, logiquement t'en fais deux. C'est logique hum. t'en fais deux. Tu as une que tu gardes fermée et une que tu ouvres, tu doubles. Donc qu'est-ce qui va se passer Il y a deux fois plus de cartes qui vont être burnées et ce qui est énorme, c'est que la première collection et bientôt low. la deuxième. Ça, c'est fini. la première collection, tu peux plus acheter de paquet. Donc la supply ne va faire que baisser, et tu ne baisses pas que 245 cartes, parce que pour certaines cartes, il en faut 30. Voilà ouais, l'alternative, ouais, ouais, okay. tu vois. Donc on se parle de milliers de cartes qu'il faut, ouais. qui vont à chaque fois dégager, au fur et à mesure, et qui vont faire drop, qui vont faire baisser en fait euh, le, la supply, et qui vont faire augmenter le prix de, de la marketplace. <coughs> bon, je crois que c'est l'heure de passer aux news. Tu veux dire quelque chose Non, j'allais dire que c'est pas trop. Son... Heureusement que c'est pas trop son truc le FOMO quand même. Moi, non, <laughs> jamais vrai. de la vie. Oh, je me suis calmé en plus. Hein. En plus, non, enfin, vraiment, on a une, quand même une grosse chance euh, chez Oxia, en fait, c'est d'avoir des, des, des gars comme Samy et Crossy Edges, en fait, qui passent avant et, et qui ouvrent un peu tout ça, parce qu'il y, des... y a des. Méca... Ils ouais, bien défoncés. Il y a des mécaniques. Défoncés sur les listings, défoncés sur. China. Oui, du coup, en l'occurrence, nous, on a un petit peu décalé notre listing, ça n'a aucun rapport. Ouais, mais après, c'est normal. Hein, ben, euh, mais c'est nous de partager notre expérience. Il enfin, ah oui, oui, oui. y a un truc qui est important, et ça, j'aimerais le souligner, parce qu'on a vraiment. Enfin, j'ai demandé, moi, à faire cette émission avec Oxia. Euh, comme j'aurais demandé aussi pour Metafight, c'est des gens que j'apprécie énormément. Et il faut savoir que la mentalité dans le Web3 est, est inversée par rapport au Web2. Web2, c'est chacun sa mère, chacun fait son truc, font son expérience, il mmh. n'y a pas de partage d'informations, c'est la jungle. Le Web3, c'est aussi la jungle, sauf qu'il y a un consensus qui s'est fait où... Euh, euh, c'est tellement met la... la jungle que... <laughs> ben, que, bah, en fait, euh, j'ai aucun intérêt à ce qu'un projet rate. Si demain, tu vois, ouais. Illuvium foire, pour nous, c'est une catastrophe. mais ouais. Réellement, réellement. Chaque jeu qui échoue, c'est une catastrophe parce qu'il ne fera que montrer la fébrilité, et la fragilité de notre écosystème. Donc, euh, je te le dis clairement. Dès qu'il y a un truc qui se passe mal pour nous, tu peux être sûr et certain que j'appelle tout le monde du bord. Oh, faites pas ça, les gars, ne listez plus, ne listez plus. C'est pas le bon moment. On nous avait promis que mais ce serait bien. Ce n'est pas bon. Donc du coup, tu permets au moins aux autres de minimiser la casse et toi, ben bah, tu, tu, tu vas essayer de, de remonter la pente au fur et à mesure pour te préparer au mieux, parce qu'il bah, y, a, y, a, y a plein de facteurs que as pas, quoi, tu n'as pas. Puis on a la chance encore d'être à, à échelle humaine en fait parce que quand tu vois les gros, les gros studios, les grosses productions en fait t'es pas du tout à échelle humaine donc t'as toujours des luttes de pouvoir. Hein. On parlait tout à l'heure de, de Call of Duty, Call of Duty a été, enfin euh, la, la franchise elle a été défoncée à ouais. cause de problèmes d'ego de, de, et de lutte de pouvoir. Hein. Le, là, où, bon. là où on s'en sort quand même plutôt bien c'est que bah, nous on se connaît maintenant depuis quelques années quand même avec Samy et puis bah, avec d'autres projets, t'as mentionné Metafight mais bon c'est loin d'être les seuls. C'est quand même des, des, des gars, où on, on se voit régulièrement, enfin, on, on connaît, on voit les intentions réelles des gens, tu vois. Donc on sait qu'on ne prend pas de risque à, à, à s'afficher ensemble, à discuter de trucs, à travailler, en, à, à se donner des conseils, puisque finalement on, veut, on, on connaît réellement, enfin on se connaît, on connaît les intentions, on sait qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose de correct, Effectivement, vois. Techniquement, a, a, a pris un risque qui est monstrueux. Ils ont fait la vente, donc l'histoire, c'est qu'ils ont fait une vente de NFT qui est il y a longtemps. Ouais, c'est un record. Mmh. On va se parler franchement, hein, c'est un truc de malade. Ils ont récupéré je sais pas combien de, de millions sur la vente. Et il y avait deux possibilités. Ou bien ils récupéraient l'argent et ils arrêtaient là et franchement, ils auraient été safe de chez safe, ils auraient pu les réinvestir ou autre. Ou bien ils prennent ce pari complètement fou de réinvestir tout ce qu'ils ont gagné, mais genre tout ce qu'ils ont gagné. Pour créer trailer, expérience immersive, développer un lore, faire un monde, un univers. Franchement, compliqué de faire. Un... Le temps <laughs> nous dira si ça valait le coup ou pas. Mais peu de gens, peu de gens auraient osé y aller. Et tu comprends en fait rapidement. Donc la logique. c'est Aaron, Aaron, Aaron hein. sa sœur. Enfin avec qui j'ai sympathisé. Toi, enfin Jordan, toi, toi, je, toi, je te kiffe. Ça fait hein. des années qu'on se connaît. Avant même que tu arrives chez Oxia. Mais enfin, tu vois vraiment le comportement euh, et la, la motivation de ces personnes qui disent ben moi, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens dans l'écosystème. Moi, j'ai envie de me dire que tu vois, j'ai servi à quelque chose et que ce que j'ai fait, ça, a, ça a ouvert en fait la voie et le chemin des autres. C'est comme tout, hein. tu, tu commences, bah, tu, tu te casses les dents, tu foires. Entre nous, c'est bien parce que du coup, on, on s'aide mutuellement. Tu vois, on se partage un peu les tips. On dit, bah, ça, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas cool. Tu vois, ça, ça a pas marché. j'ai aucun intérêt à, à garder l'info pour moi en disant non, non, mais vas-y, vas-y, fais ton truc, tu verras si j'ai. Tu verras, tu me diras. Non, non, ça se passe pas bien pour toi. Ça se pas bien pour toi. C'est pas vrai, tu vois. Ouais. Ça se passe pas bien pour un, ça se passe pas bien pour les autres. Ouais. Donc, euh, c'est cette ambiance. Moi, bon, j'aime bien, tu vois, cette ambiance où, où, enfin, il y a beaucoup de fois, tu vois, même sur les questions de régulation, sur, sur, la loi Mika qui arrive dans pas longtemps, sur l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. Enfin, vous vous imaginez même pas toutes les merdes qu'il y a derrière à gérer, tous les problèmes qu'il y a à gérer. Et où, tu vois, es bien content, tu vois, qu'il y en a qui sont passés avant et qui disent ouais. bon, bah, On va faire comme ça. Ouais, voilà, ça, ça passe, ça, ça marche. Ouais, ça, ça, ouais. On a eu le bon point vert. Vas-y, c'est bon. Dites toute la même chose, les gars. <laughs> euh, comme eux, comme Crosby, Jis, comme Oxia, <laughs> ça passe. Ouais, c'est vrai qu'en en France et dans le Web 3 ça s'entraide, ouais. bien. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de, de projets. Projet. Ouais. Hum. C'est pour ça qu'il y a autant de projets. Et l'écosystème ouais. est petit, donc on se connaît, ça épure vite les scams, etc. Quoi. Ah, bah ah bah ouais, ouais, ouais. ouais. Tu il y a un truc qui, arrive, euh, Internet, truc qui arrive, tu fais ok. Tu euh... regardes si solide. Après, c'est bien et pas bien, tu vois. Souvent, on nous reproche aussi, tu vois. Les gars, vous êtes trop français. Tu vois, je sais. C'est chaud. On vient de là, tu vois. Donc, euh, on est aussi à l'aise, tu vois, dans notre langue natale. Et, et, et c'est un, un vrai travail, tu vois, d'aller chercher, chercher ailleurs. Mais là, on, a, on y arrive. Et on... c'est positif pour la suite. Pas de puce NFC dans les cartes, Samy Alors, monde, Scotland, alors en fait. à la base, ça a été annoncé avec des puces NFC savoir que ça a été annoncé avec des puces NFC et j'ai répété puces NFC, puces NFC, puces NFC. On a dû en fait shifter avec un système de code barre à cause en fait, d'un problème de prod où le publisher n'était pas en fait en capacité de le faire. Pour la simple et bonne raison que euh, les cartes en fait, NFC coûtaient trop trop cher pour lui et en fait il y avait un problème sur, je sais pas, moi demain tu perds un pack. Euh Juste comme ça, la perte, même si la personne l'a vraiment reçue, on se parlait de, de, de plusieurs centaines juste pour la production, parce que chaque puce NFC qui était linkée, et en fait, personne n'a voulu le faire. Mais genre, personne n'a voulu le faire. Déjà, juste le système linké à la blockchain avec le, 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 le barcode, ça a été très compliqué. Et il faut savoir que oh, nous, on l'a fait, nous, en interne. C'est ça le truc. C'est mmh. qu'on a montré une vidéo, on l'a fait, on l'avait fait à l'époque sur Polygon, on l'a sorti en 2022, on avait même fait une vidéo, on avait réussi à le faire. On l'avait printé nous-mêmes et on voulait le faire. Le problème c'est que soit on faisait un truc artisanal avec une qualité qui était dégueulasse, et ça je ne peux pas m'y résoudre, soit on fait une collection qui déboîte, avec un truc qui est très très bien. Je cherche vraiment à toucher des collectionneurs, je cherche à toucher des gens qui veulent acheter des cartes, qui seraient prêts à payer très très cher pour avoir ces cartes-là, parce que le format est magnifique. Il faut faire des choix et je l'assume, mais à 100%. Avec une qualité qui a été dégueulasse. Et ça, je ne peux pas m'y résoudre. Soit on fait une collection qui déboîte, avec un truc qui est très très bien. Je cherche vraiment à toucher des collectionneurs. Je cherche à toucher des gens qui veulent acheter des cartes, qui seraient prêts à payer très très cher pour avoir ces cartes-là, parce que le format est magnifique. Il faut faire des choix, et je l'assume, mais à 100%.